Voilà. Donc l'intention de cette intervention, c'est d'ouvrir les horizons sur qu'est-ce que lutter en paysannerie avec des exemples vivants, donner des outils pour que les agroutes, donc la promo 3 de l'EAV, puissent lutter pour le vivant dans les campagnes de manière alignée et en trouvant vraiment ce qui leur convient le mieux. Et l'intervention fait suite à l'intervention d'Agnès hier sur... donc qui a réalisé Nous Paysans et qui vous connaît pour beaucoup d'entre vous, donc c'est assez rigolo. Hier encore, je ne savais pas qu'elle allait être là, donc on a vraiment invité comme ça. Et il manque, je réalise qu'il manque Jean-François Rousseau, donc je ne sais pas Marine si tu as des nouvelles de sa part ou s'il sera juste là pour la table ronde. Non, il arrive, il est en train de se connecter. Super. Et du coup, on va avoir un moment avec toi, Jean-Luc, sur plutôt la partie historique des luttes paysannes durant laquelle je te poserai des questions pour que tu puisses partager un peu ton expérience. Ensuite, il y aura une pause de 15 minutes et puis ensuite, on aura une table ronde avec Noémie, Jean-François et Hugo sur des exemples de stratégies d'action concrètes pendant une heure, suivi d'échanges avec vous. Et il y aura des échanges aussi après ton intervention, Jean-Luc. En parallèle de ça, derrière là-bas, on ne la voit pas, mais il y a Julie qui est en train de faire une captation visuelle, une petite facilitation graphique du moment pour qu'on ait un résultat de tous ces échanges. Et on vous enverra le résultat à la fin. À 18h, on clôturera avec vous et ensuite, on aura un moment de pleine conscience avec les agroutes pour permettre de ressentir ce qui s'est passé à l'intérieur et de pouvoir se positionner dans les luttes paysannes et qu'est-ce qu'on veut pour nous, pour le vivant. Et on clôturera ensemble à 18h30. Est-ce que c'est clair pour vous? Super. Et ben dans ce cas, on va commencer avec Jean-Luc. Et la thématique de ton intervention, Jean-Luc, c'est l'historique de la diversité des luttes paysannes en France, plutôt par le prisme « c'est quoi être paysan-paysanne ?» Et donc, ce n'est pas par hasard si tu es ici, puisque tu es connecté à Jérôme Sergent, qui fait partie de notre réseau de ferme avec l'association de Rive en Rêve. Si ça vous intéresse d'aller voir par là-bas. C'est lui qui m'a donné ton contact. Et à Agnès Poirier, car tu as participé à son film « Nous paysans » dans lequel tu dis cette phrase qui nous a toutes et tous marquées hier quand Agnès l'a partagée. On devait être chef d'entreprise et on nous a amputé de notre part sensible. C'est une phrase que tu prononces dans le film et qui est vraiment puissante. J'assume, oui. Et du coup, peut-être que tu peux... J'avais prévu une petite présentation de toi, mais je pense que le mieux, c'est que tu te présentes peut-être en quelques mots. Un peu ton histoire, les engagements divers que tu as eus. Voilà, que tu te présentes en tant qu'être humain et plus dans tes engagements divers et variés. D'accord. Bon, et bien, bonjour à tous. Bonjour Agnès, il y a longtemps qu'on ne s'était pas parlé. J'espère que tout le monde va bien. Alors ma présentation, c'est vrai qu'en tant qu'être humain, c'est la première fois qu'on me demande comme ça. Et je suppose que ça ne change pas grand-chose. J'ai 76 ans. Donc je dis mon âge parce que ça veut dire que j'ai commencé à travailler en 64, à 17 ans. Et dans la période où l'agriculture est en pleine mutation, où il fallait changer justement de modèle agricole parce que l'objectif c'était de faire de l'agriculture française une agriculture moderne du niveau des pays du Nord, hein, les Pays-Bas, le Danemark et tout ça qu'on nous montrait comme modèle, où l'efficacité des travailleurs était beaucoup plus importante, l'efficacité des travailleurs de l'agriculture. Hein. Donc il fallait changer de modèle. Donc c'est comme ça que j'ai été formé
J'ai été formé, ouais, au productivisme. Donc, sinon, j'ai travaillé à 17 ans dans la ferme de mon père. Et puis, j'ai repris cette ferme-là en 76, à 25-26 ans. Et donc, c'est une ferme classique du Cambrésis. Donc, le Cambrésis, pour ceux qui ne le connaissent pas, mais je ne suis pas sûr qu'ils ne le connaissent pas, c'est une région dans le sud du département du Nord. Donc, classique dans le Cambrésis, ça veut dire betterave, céréales et un peu d'élevage. Hein. J'avais des bovins et puis un peu de porc au début. Voilà, donc ça, c'est ma carrière, c'est fait comme ça, sur 55 hectares, et j'ai gardé la même surface du début à la fin. Un hectare près, quoi. Donc, j'ai cédé, j'ai pris ma retraite à 60 ans, donc en 2007. Voilà pour le parcours professionnel. Pour mes engagements, moi, j'ai été formé, comme beaucoup de gens de ma génération, à la formation militante par le MRJC, JAC, qui m'a permis de découvrir des choses que je connaissais, que je n'étais pas amené à connaître dans mon milieu familial et mon entourage, quoi. Ensuite, je me suis engagé au début de ma carrière au CDJA, des JA maintenant. J'ai quelques années là, j'ai fini par démissionner parce que je trouvais que j'étais pas d'accord avec les objectifs, hein. Les objectifs nationaux et les objectifs puis locaux aussi. Et en 87, j'ai rejoint la Confédération paysanne. Et là, je me suis engagé syndicalement, bien sûr. Mais surtout, au niveau d'associations comme le CEDAPAS, Centre d'études pour le développement d'une agriculture plus autonome et solidaire, qui travaillait au départ sur l'autonomie, ensuite sur les conditions d'un développement durable en agriculture, et puis en lien avec la FADEAR, donc la FADEAR, c'est là, je ne sais pas si vous connaissez tous ces sigles-là, c'est l'association de formation de la Confédération paysanne, l'association nationale. Dans ce cadre-là, avec d'autres, on s'est dit qu'il faudrait qu'on définisse ce qu'on appelle l'agriculture paysanne. D'où le travail sur l'élaboration de la charte sur l'agriculture paysanne et qu'on utilise toujours. Et donc, après, j'étais plutôt impliqué dans la formation. J'intervenais plus dans des formations et l'utilisation de la charte. Donc voilà, j'étais ça, oui, jusqu'à ma retraite. Après, j'étais un peu impliqué dans des associations qui tournaient autour toujours de l'agriculture paysanne. Avenir, pour l'installation de jeunes ou de gens dans des installations alternatives et puis un peu Terre de Liens aussi, démarrage de Terre de Liens dans la région. Bon, voilà. Pour ma présentation. Merci beaucoup, Jean-Luc. Merci. Il y a Jean-François qui arrive, donc on va l'introduire rapidement avec nous. Bon, je pense qu'on va attendre un peu qu'il se connecte, peut-être qu'il n'a pas un super réseau. J'avais une première question à te poser, Jean-Luc. Au téléphone, tu me partageais que quand je t'ai dit qu'on cherchait quelqu'un pour parler de l'histoire des luttes, et comme tu n'es pas historien, ton sujet de prédilection, c'est plutôt l'évolution de la notion de paysan du XVIIIe siècle à nos jours. Et tu as travaillé sur un documentaire là-dessus, qui s'appelle Vous avez dit paysan, paysanne. Et est-ce que tu peux nous partager un petit peu en fait le lien entre pour toi les luttes paysannes cette recherche autour de qu'est-ce que c'est qu'être paysan, paysanne. Est-ce qu'il y a un lien pour toi entre les luttes et les engagements et le fait que ce mot veuille dire énormément de choses et évoluer au cours de l'histoire? Alors, ce qui m'avait motivé au départ dans cette recherche-là et donc qui avait abouti à la décision avec deux autres personnes sur le web documentaire, c'était le fait que je rencontrais souvent donc des gens qui étaient d'une génération pas beaucoup plus jeune que moi, bien sûr, qui disaient de plus en plus « nous, on veut être paysan » ou « moi, je veux être paysan ou paysanne, mais je ne veux pas être agriculteur et encore moins exploitant agricole ». Et je me demandais toujours ce que ça voulait dire exactement. C'est-à-dire que je comprenais en gros un peu la différence, mais quelle représentation il se faisait
derrière ces mots-là, qu'elle représentait, qu'est-ce qu'il est? Quel était exactement le sens qu'il donnait à leur engagement en étant paysan et pas agriculteur? Et parce que pour moi, c'était pas forcément clair, parce que j'avais vécu une période où, quand j'étais jeune, il fallait qu'on soit chef d'entreprise, exploitant agricole et surtout pas paysan. C'était même méprisé, hein, l'attitude des paysans. Tout d'un coup, on voit des gens qui disent « moi, je vais être paysan ». Qu'est-ce que ça veut dire? Donc voilà, donc on a voulu explorer un peu comment, au fil de l'histoire, les paysans étaient tantôt des gens méprisés, ce qui était le cas au XVIIIe siècle, une bonne partie du XXe siècle, du XIXe siècle, comment à la fin du XIXe, tout d'un coup, on a redécouvert que les paysans portaient énormément de valeur et on les a flattés et manipulés quand même, de mon point de vue. Comment après, quand on est arrivé dans une période où il fallait être période moderniste, hein, c'est-à-dire essentiellement après la guerre 40, il fallait surtout plus être paysan parce que c'était l'archaïsme. Et puis tout d'un coup, on redécouvre, et puis maintenant, pratiquement tout le monde veut être paysan, quoi. Et surtout dans les médias, on confond maintenant carrément le terme agriculteur et le terme paysan. On emploie tantôt l'un, tantôt l'autre pour parler des mêmes gens. Donc c'était un peu ça qu'on voulait explorer, de façon à ce que les gens qui se disent qu'ils veulent être paysans, et au moins les éléments de se poser des questions sur le sens que ça a quand ils en parlent. Enfin, je ne sais pas si c'est clair ce que je raconte, mais c'est un peu ça le but. Parce que on peut comprendre que derrière ça, enfin, moi ce que je comprenais, c'est que c'est une rupture avec le productivisme, un engagement plus proche des réalités biologiques, du vivant, enfin tout ça, et d'être moins dans l'exploitation de la terre et des animaux. Mais quelles sont les valeurs qui sont derrière? Est-ce que ce sont des valeurs conservatrices, revenir à un équilibre antérieur, ou est-ce que c'est au contraire inventer une nouvelle forme de relation avec le vivant, par exemple? Ça demande à être, pour moi, ça demande à être clarifié. Ça me demande toujours à être clarifié, d'ailleurs. Oui. Merci pour ton partage. J'en profite pour accueillir Jean-François. Bonjour Jean-François, est-ce que tu nous entends? Bonjour, oui, je vous entends. Ce n'est pas toujours très stable la communication, mais dans l'ensemble, quand je tends l'oreille, j'entends. Ok, merci en tout cas d'être là. On a démarré avec l'intervention de Jean-Luc. Et tout à l'heure, tu pourras participer à la table ronde et même aux questions tout à l'heure quand Jean-Luc aura terminé. En tout cas, merci d'être là et voilà la promo des agroutes. et je voulais aussi t'inviter, n'hésite pas, si la bande passante n'est pas très bonne, à couper ta caméra. En général, ça permet d'avoir une meilleure connexion. En tout cas, au moment où tu ne parles pas, si tu veux couper ta caméra, c'est une possibilité. Et du coup, pour en revenir aux luttes un peu dans l'histoire et peut-être aussi dans l'espace, ce que je vous propose, c'est de reprendre. En fait, avant que vous arriviez, on a fait un petit brainstorming de qu'est-ce qui nous arrive en tant qu'idée quand on parle de lutte paysanne. Est-ce que, comme je voulais faire un tour d'inclusion et j'ai complètement oublié tout à l'heure, peut-être que vous pourriez chacune dire votre nom et deux ou trois éléments que vous avez cités dans les luttes paysannes, en parlant assez fort pour qu'on vous entende. Tu peux commencer, Lucas, si tu veux. Je vais me mettre dans le champ quand même, c'est mieux. Donc, Lucas, trois éléments. Ah, je suis le premier, j'ai le choix. Je vais dire la conf. Les méga bassines et la réappropriation des terres. Voilà, n'hésitez pas à en rajouter ou en reciter, c'est vraiment important pour vous. Je suis Mélodie et en élément, on a parlé
de la diminution du nombre de paysans paysannes, de fourches en l'air avec des torches et de bandana Shiva. Mmh. Léa, on avait aussi mis le Larzac, les tracteurs sur les autoroutes remplis de toutes sortes de trucs et la PAC, et ou la non-PAC ou pour notre PAC. Je m'appelle Lali et on a parlé d'accès à la terre, de mode de production collectif et autonome et d'anticapitalisme. Moi, je m'appelle Audrey. On a parlé de, d'anti-mécanisation et de méga-bassines. Si vous avez d'autres qui reviennent, n'hésitez pas. Alors, moi, je m'appelle Arsène. On a parlé des paysans, de l'agriculture industrielle et de Pierre Rabhi. Moi, c'est Manon. Quand j'entends lutte paysanne, j'entends la diminution de nombre des paysans, surtout l'agriculture industrielle et l'accessibilité aux terres. Moi, c'est Anna, et quand j'entends lutte paysanne, je pense aux paysannes et à la place qu'elles se font et qu'elles ont au sein de... d'un mode agricole qui ne va pas toujours dans le sens de l'abondance. Et moi, je pense à la grippe aviaire et à la protection des poules et des paysans qui élèvent des poules et des paysannes. Il faut protéger les poules en bonne santé. Et du coup, Jean-Luc, pour continuer, merci pour vos partages. Est-ce que tu pourrais nous partager, même si tu n'es pas historien, et c'est très bien d'ailleurs, ta compréhension de l'histoire des luttes et engagements paysans plutôt au XXe siècle, puisque c'est plutôt ça ta compréhension, avec quelques exemples clés. D'accord. Alors, au XXe siècle, peut-être que je vais pas forcément dire tout en ordre chronologique, hein, mais ce qui m'a marqué, moi, c'était, en lisant les gens qui y avaient participé, les luttes des fermiers et métayers en Bretagne et dans l'Ouest. À ce moment-là, donc avant la guerre, avant la guerre 40, hein, il n'y avait pas le statut du fermage, et donc un propriétaire pouvait décider d'une année à l'autre d'évincer son locataire pour en mettre un autre à la place, pour des raisons diverses. Hein. Ça allait même jusqu'à, paraît-il, remercier un locataire parce qu'il n'avait pas la messe. Hein. Et donc, il y a eu des luttes quand même qui étaient assez dures. Hein. En Bretagne, par exemple, moi, j'avais vu beaucoup de comptes rendus qui avaient été menés par des syndicats minoritaires. Hein, syndicats d'obédience communiste ou socialiste, en particulier par un militant comme Tanguy Prigent, qui est devenu ministre d'ailleurs par la suite. Et donc ces luttes-là étaient au nom du droit à... Alors pas seulement le droit au travail, hein, le droit à vivre, à vivre chez soi en fait, puisque des gens pouvaient avoir vécu pendant 20 ans sur une ferme et puis du jour au lendemain, ou presque, on leur disait de partir, quoi. Donc ça, c'était une lutte qui a duré, je pense, tout le début du XXe siècle jusque 1940, 1944. Ça, c'est une première chose. Ouais. Ensuite, il y a aussi la lutte des viticulteurs. Hein. Il y a eu des actions violentes avec la baisse du prix du vin en partie à cause des importations du vin d'Algérie, mais aussi parce que là, on avait une augmentation de la production, hein, avec des luttes violentes, là, des luttes contre la... Je crois même qu'il y a eu des gendarmes morts et des paysans, bien sûr, des viticulteurs. Hein.
Donc ça, c'était des luttes assez dures, d'un côté comme de l'autre, avec violence, quelquefois physique. Donc ça, la période des viticulteurs, c'était plutôt dans les années 30, c'était un peu lié aussi à la crise des années 30, hein, en 32-33, je crois, pour être plus précis. Donc ça, je pense que ça a marqué deux choses. D'une part, ça marquait bien sûr la mémoire paysanne, et là, on avait affaire à des gens qui s'opposaient non seulement aux propriétaires, non seulement au pouvoir politique, mais qui s'opposaient aussi aux dirigeants des syndicats agricoles, des grands syndicats agricoles. À ce moment-là, il y avait deux grands groupes, de grands mouvements syndicaux qui étaient tous dirigés par des notables. Il y avait la partie républicaine où c'était beaucoup d'élus, députés, radicaux, des gens comme ça, mais qui étaient des notables. Et puis, de l'autre côté, c'était un mouvement qui représentait plus de monde, d'ailleurs plus d'adhérents, qui était dirigé par des propriétaires fonciers, par des prêtres aussi. Oui, dans la région, c'était beaucoup de prêtres, en tout cas. Et donc, ces luttes-là mettaient en cause un mythe qui était beaucoup... sur lesquels on s'appuyait beaucoup, qui était le mythe de l'unité paysanne. Et pour les dirigeants, l'unité paysanne, ça allait du journalier agricole, donc le salarié qui travaillait à la journée, jusqu'au propriétaire foncier. Tout le monde avait... Les intérêts de tous dépendaient de la production agricole. Donc on était tous unis, on devait être tous solidaires. Et les luttes dont je parle, les luttes des fermiers, des métayers, les luttes des viticulteurs, mettaient en cause cette unité-là. Donc ça provoquait quand même des tensions et des débats au sein de l'agriculture et une prise de conscience que tous les paysans n'étaient pas pareils. D'où aussi l'intérêt de se poser la question qui était paysan dans tous ces gens-là. Ensuite, il y a eu ça aboutit, les luttes pour le foncier ont abouti à la sortie de la guerre, au vote du statut du fermage. Il avait été proposé au vote quand Tanguy Prigent, dont je parlais, était député en 1936, donc sous le Front populaire, et même les socialistes n'avaient pas voté le statut du fermage. En revanche, après la guerre, Tanguy Prigent devient ministre, nommé par De Gaulle, donc un ministre socialiste marxisant, et il représente la loi sur le statut du fermage et elle est votée à l'unanimité. Bon, il faut dire que les très conservateurs qui étaient très impliqués avec Pétain n'étaient plus là. Hein. Mais quand même, votée aussi bien par la droite que la gauche. Donc ça, c'était une avancée qui était due à toute cette effervescence qui avait eu avant la guerre. Ce qu'il y a eu comme... alors, les luttes foncières ont repris quand même... parce que malgré le statut du fermage, un propriétaire pouvait reprendre les terres pour les cultiver lui-même. Et là, on a eu, enfin moi j'ai participé à une lutte quand même assez dure dans le camp paysan, mais il y en a eu ailleurs, hein, où, je pense par des magouilles, quelqu'un avait réussi à acheter une ferme sans que les locataires comprennent que leur ferme était vendue, donc ils n'ont pas pu faire jouer leur droit de préemption, puis je pense qu'en plus ils n'avaient pas les moyens d'acheter. Ils n'ont pas pu faire intervenir la SAFER. Donc, il y a une histoire de malentendu ou de malhonnêteté, enfin, je ne sais pas, entre le respect propriétaire. Et les gens qui étaient nés dans cette ferme-là, dont les parents étaient nés dans cette ferme-là, un jour, à 55-6 ans, ils devaient partir. Donc, on a essayé de les maintenir en place. On n'a pas réussi parce qu'on avait là aussi une division au sein des paysans. Il y avait ceux qui soutenaient les propriétaires parce qu'ils étaient attachés au droit de propriété. Donc, la terre, c'est d'abord un patrimoine familial, cette idée-là, en tout cas dans leur tête. Il y avait une partie de ceux qui disaient la terre, c'est un droit au travail, c'était un peu notre motivation. Donc, on les défendait comme étant un droit au travail. Et puis, il y avait les propriétaires qui disaient, le responsable président du syndicat des propriétaires me disait, mais non, là, la terre, c'est une propriété de droit divin. On aurait pu le dire maintenant, mais enfin, il nous a quand même dit que... Et donc,
il y avait vraiment une lutte interne aux gens qui vivaient de la terre, en fait. Et puis, c'était très dur parce que les gens perdaient tout, quoi, finalement. Non seulement ils perdaient leur travail, ils perdaient leur revenu, et ils perdaient leur maison. Ils devaient partir, quoi, à la rue. Et le syndicat des propriétaires s'est arrangé à ce qu'ils partent sans rien. Nous, on voulait les maintenir tant qu'ils ne trouvaient pas une situation, enfin, un reclassement. Et en fait, ils sont partis sans rien parce qu'il fallait... Il fallait réprimer des gens qui s'opposaient au droit divin. Dans la tête, c'était il y a 40 ans. Hein. J'espère qu'on me dirait tout ça maintenant, mais je me demande. Donc ça, c'est une lutte qui existe, qui est restée et qui a quand même perduré. Et on voyait que nous, on défendait, donc on était proche des paysans travailleurs à ce moment-là, hein. On défendait la terre comme droit au travail. Il y en a d'autres qui défendaient la terre comme un outil de production. C'est-à-dire que amputer une ferme d'un certain nombre d'hectares, c'était mettre en cause une petite production. Et donc mettre en cause la possibilité d'investir et de moderniser. C'était une autre vision de la terre, mais enfin, on pouvait s'allier ponctuellement. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'à travers une lutte comme ça, on découvre la présentation qu'il y a par rapport à la propriété, au statut de la terre. Soit c'est un patrimoine, on défend un patrimoine familial, soit c'est un outil de production, donc sur lequel on peut investir et on peut produire, soit c'est un droit au travail, un droit à la vie. Et ensuite, on va participer à des luttes plus récemment où on va redécouvrir la terre comme patrimoine, mais patrimoine collectif. Donc, c'est des buts comme la Notre-Dame-des-Landes, par exemple, ou tout ce qui a un rapport avec la défense non seulement du droit des paysans à vivre dessus, mais aussi le fait de défendre le fait que la terre, c'est un patrimoine collectif, donc le vivant, donc la protection de l'eau, la protection du paysage, etc. Quoi. Et puis ensuite, on a eu les luttes... Alors là, qui sont plus directement liés à la question du vivant, c'est la lutte contre les OGM. Et ouais, voilà, les OGM avec tout ce que ça comporte. Donc ça, ce n'est pas la peine que j'explique, je ne sais pas si on se demande de quoi je parle. J'ai pas bien entendu, tu peux. J'ai pas entendu les derniers mots quand tu as dit tu vois de quoi je parle. Vous voyez de quoi je parle. Quand je parle des OGM, est-ce qu'il faut que j'explique ou bien non? Les OGM, les organismes génétiquement modifiés. Là, il y a eu des luttes, c'était des arrachages de parcelles OGM en betterave, en colza. Enfin, non, ça va, ça. Non, c'est pas bon. Quelque chose qui vous est familier. Si, c'est bon. Et ça va, ouais. Ouais. Et justement, alors, il y a Hugo qui partage qui partage le lien du web documentaire que j'ai mis dans les ressources pour la suite, Hugo. Merci beaucoup. C'était la petite tête de paysan avec tous les mots écrits, là. Ah oui. Ce que je vous ai partagé sur le groupe. Mais on regardera... moi, en tout cas, j'ai très, très envie de regarder ce web documentaire. Et moi, j'ai une question, peut-être pour aller plus en profondeur, c'est est-ce que tu as senti... Enfin, avec ta perspective... ton expérience, est-ce que pour toi les moyens de lutte ont évolué dans l'histoire en lien avec la baisse du nombre de paysans et paysannes, avec la différence de lien à la terre, est-ce que tu peux nous partager un peu si les moyens de lutte ils ont toujours été un peu les mêmes ou est-ce qu'ils ont évolué, voilà. Oui. Moi, je pense souvent à la question de l'accès à la terre. De ma génération, même ceux qui étaient un peu plus âgés, il y avait une vraie pression des jeunes agriculteurs, des jeunes paysans, pour l'accès à la terre. Et donc, il y avait des manifestations pour que, quand des terres étaient libres, elles aillent à des jeunes en priorité, ou pour conforter des petites fermes, et il y avait vraiment des occupations
de terrain pour ça. Mais il y avait du nombre, on est encore assez nombreux. Actuellement, je ne vois plus tellement ça, parce que finalement, il n'y a pas beaucoup de gens. Quoi. Il n'y a plus tellement de jeunes qui sont prêts, en tout cas dans notre société anciennement paysanne, qui sont prêts à faire ça. Parce qu'il n'y a pas la pression, il n'y a pas une, un nombre suffisamment important pour pouvoir faire pression. Pour occuper un champ, il ne faut pas être heureux, quoi. D'une part. Et donc, ce qui a évolué, c'était ce qu'on a essayé de faire évoluer, mais qui a fonctionné plus ou moins, c'était de s'allier avec des gens, des associations, des structures qui pouvaient partager les mêmes objectifs que nous. En tout cas, on pouvait se rejoindre sur des objectifs communs et montrer que faire en sorte que la terre n'aille pas systématiquement aux plus grosses structures qui peuvent mettre plus d'argent pour y accéder, c'était aussi dans l'intérêt de ceux qui attachent de l'importance à la qualité de l'alimentation, par exemple, qui attachent de l'importance à la vie locale ou qui attachent de l'importance à la préservation d'une certaine forme de l'agriculture qui reste avec des parcelles plus petites, enfin etc. Donc on a des exemples. Hein. Quelqu'un parlait des mégavaccines, par exemple. Il n'y a pas que des paysans qui luttaient contre les mégavaccines. On a participé dans la région aussi, dans le Cambrésis, à une lutte contre une porcherie industrielle qui a été initiée d'ailleurs par les gens du voisinage. C'est-à-dire qu'ils avaient créé une association pour lutter contre la porcherie parce qu'ils n'en voulaient pas, à cause des odeurs, à cause des risques de pollution de l'eau, etc. Et on s'est associé avec eux. Et nous, notre objectif, c'était plutôt, on pouvait partager ces objectifs-là, mais comme on n'était pas dans le voisinage, on était moins touchés. Et notre objectif, c'était de faire en sorte que la production porcine ne devienne pas complètement production industrielle. Bon, je ne suis pas sûr qu'on ait beaucoup gagné, mais bon. Mais on a quand même réussi à ce que la porcherie ne se passe pas. Donc voilà, pour moi, je vois un peu cette évolution-là, hein, où on ne peut plus être, où les luttes paysannes ne peuvent plus être qu'une question de paysans. En fait. Mmh. Ouais. Est-ce que ça répond à ta question ? Il n'y a pas que les paysans qui luttent pour les paysans, quoi. Ouais. Et du coup, ça interroge la notion de paysan. Qu'est-ce que c'est qu'un paysan, quoi ? Est-ce que c'est quelqu'un qui travaille la terre seulement, ou c'est quelqu'un qui attache de l'importance à une certaine forme de rapport à la terre, sans forcément être un professionnel. Mais c'est des questions, tout ça. J'ai une dernière question avant que tout le monde puisse partager ses réactions, questions pendant quelques minutes. Enfin, j'ai deux dernières questions. Pardon. La première, c'est qu'est-ce que tu as à dire sur lutter contre, œuvrer pour? Est-ce que tu te positionnes là-dedans quelque part? Oui, oui, entre les deux. Non, mais ça, c'est un débat qui est récurrent. La Confédération paysanne, par exemple. Quand on a travaillé sur l'agriculture paysanne, il y avait la crainte d'une partie du secrétariat national, mais aussi du secrétariat local, qu'en donnant les moyens d'analyser une ferme à des paysans, et de l'analyser non seulement en fonction de leurs besoins, mais aussi en fonction des impacts que ça pouvait avoir sur la société en général, hein, sur le voisinage, y compris sur les paysanneries d'autres pays, des pays du Sud, par exemple. La crainte, c'était qu'on les déconnecte un peu des luttes générales, des luttes syndicales, en fait. Et donc, on est toujours un peu dans cette dialectique-là. Est-ce qu'il faut plus faire ce qu'on a fait dans nos associations, par exemple, comme celle où j'ai participé beaucoup, de CEDAPAS, où on a mis en place des alternatives, suivez des alternatives, essayez de les faire connaître, etc. Et puis, ou installer des jeunes sur des petites structures, ou mettre en place, par exemple, enfin, là, c'est moi, la Confédération paysanne, mais moi, j'ai engagé de mettre en place
de Terre de Liens, qui ne change pas énormément le... Enfin, c'est pas ça qui a abattu le capitalisme. Ou bien est-ce qu'il faut être sur des luttes plus générales, plus politiques, avec les différentes formes que ça peut avoir. Ça peut être occupation de locaux, de ministères ou autre. Moi, j'ai tendance à dire qu'il faut arriver à articuler les deux. Hein. Mais d'une part, et moi, c'est une question forcément que je me suis posée personnellement. Où est-ce que je me sens mieux, quoi? Il y a des gens qui sont très bien dans les luttes frontales, c'est-à-dire d'aller occuper des locaux, occuper des ministères, comme ça c'est quelquefois fait, ou des bureaux, pardon. Ou bien créer des alternatives, être dans des alternatives. Bon, c'est vrai que j'ai toujours été un peu entre les deux, en fait. J'ai pas vraiment créé d'alternatives personnellement, mais j'en ai accompagné beaucoup. Et puis en même temps, je pense pas qu'on puisse donner la priorité à l'un comme l'autre. Parce que les alternatives nourrissent aussi les luttes, elles montrent que des choses sont possibles, même si elles ne changent pas fondamentalement le système, on dit, elles montrent que des choses sont possibles, et donc ça donne à ceux qui sont plus dans les luttes politiques de s'appuyer sur des réalisations, de montrer que c'est pas utopique et réalisable, quoi. Donc voilà, c'est un peu ma position, mais elle est pas très... Je suis souvent partagé entre les deux, hein. Mais j'ai peut-être donné la priorité aux alternatives quand même. En créant, en participant aussi à des films, en créant des web documentaires récemment. Ouais. Et ma dernière question, c'est qu'est-ce que tu as envie de dire à des jeunes et qui ont envie de devenir paysans, paysannes aujourd'hui? Ah. Je leur donnerai certainement pas de conseils, parce que le problème, c'est que c'est pour ça que moi, je me suis retiré un peu des organes, des instances, des décisions depuis 10 ans, parce que je suis quand même marqué par tout ce que j'ai vécu, même ma formation de départ. Donc, il y a des choses que je ne ressens pas, que je ne ressens plus, parce que j'ai mon âge, quoi. Alors tout à l'heure, tu citais ce que j'avais dit dans le film d'Agnès, qu'on devait être amputé de la sensibilité. Parce que je crois que il y a des choses qu'on ne perçoit pas uniquement par la raison, par la réflexion. Je prends l'exemple de... Alors ça concerne les jeunes qui s'installent. Le rapport au vivant, le rapport aux animaux, le rapport aux plantes. Nous, on a appris, quand j'étais jeune, j'ai appris que on devait maîtriser ça. Hein. Maîtriser les plantes par les traitements, maîtriser la terre par le tracteur, la puissance, le labour, et les animaux aussi. Quand on parlait des animaux, on parlait de matériel. Hein. Je le dis souvent, une vache allaitante, c'était un moule à veau. Hein. Devant, c'était une machine. Et donc, alors que la question du vivant, moi, je me sens un peu handicapé par rapport à ça. On a besoin d'être à l'écoute. Il me semble que de plus en plus, on a besoin d'être à l'écoute du vivant, que ce soit les plantes, que ce soit la terre, que ce soit des animaux. Et ça ne peut se faire... Je crois qu'on a besoin de redévelopper cette sensibilité-là. J'aurais tendance à dire, moi, que dans les écoles d'agriculture, les formations agricoles, il faudrait qu'on ait des professeurs, des professeurs d'esthétique. Je ne sais pas si ça existe, des professeurs d'esthétique, mais qui apprennent, d'une part, à ressentir les choses et en plus, à vouloir faire dans notre métier, introduire dans notre métier, la dimension de ce qui est beau. Il me semble que le fait de rechercher le beau dans l'exercice de son métier, donc par la sensibilité, on ne voit pas comment on peut y arriver autrement. D'abord, ça rend plus heureux dans le métier, même ça n'empêche pas les problèmes de revenus et de conditions de travail. Hein. Mais d'une part, et puis c'est aussi un chemin qui pourrait réconcilier l'agriculture et les,
et l'ensemble de la société, parce que moi, quand je vois la semaine dernière les tracteurs à Paris, c'est une catastrophe, quoi. Pour moi, c'est une catastrophe de voir que des gens qui sont finalement des collègues sont mobilisés pour défendre les néonicotinoïdes, pour penser que ça, maintenant tout le monde sait à quoi ça sert, quoi, et quelles sont les conséquences. Et donc, mais je me dis que ces gens-là, sur leur tracteur, ils ne doivent plus rien sentir du tout. Quoi. Comme je l'étais peut-être il y a 30 ou 40 ans. Hein, c'est ça que je l'ai. Donc voilà, c'est un peu ça que j'aurais tendance à dire, mais ça ne répond pas à toutes les questions, on est loin de l'heure. Hein. Je le dis plutôt à partir de mes manques que de mon expérience. Merci. Enfin, cette intervention a pour but de générer des nouvelles questions et pas de donner toutes les réponses. C'est ouais, une ouverture et c'est pas c'est ni un cours sur les luttes paysannes. Voilà, c'est vraiment l'objectif, c'est de créer des ouvertures. Et du coup, on peut passer à un échange sur cette thématique plutôt des luttes paysannes à travers l'histoire, en profitant de ta présence, Jean-Luc. Et du coup, que ce soit vous ou les personnes présentes, les autres intervenants et toi, Agnès, n'hésitez pas à partager vos réactions, vos questions. Pendant une quinzaine de minutes. Bon, je crois que j'ai une question déjà pour toutes les personnes qui sont là et qui sont peut-être aussi engagées dans les luttes paysannes. Vous diriez que c'est quoi l'émotion principale quand vous vous engagez dans une lutte spécifique contre un projet, par exemple ? C'est quoi le moteur plutôt émotionnel. C'est quoi le moteur de quand on s'engage dans la lutte, oui. Alors moi je cours pas après, hein. Je dois dire que naturellement, spontanément, je cours pas après. Et le moteur, c'est souvent des gens qui me disent oh, il y a tel problème, qu'est-ce qu'on fait, quoi. Le moteur, c'est je crois que il y a comme beaucoup de gens, je suppose, on a une certaine vision de ce que ça devrait être par rapport au métier, par rapport à la société en général. La question du droit à chacun, que chacun a de vivre, c'est quand même un moteur, ça motive beaucoup pour s'engager quand des personnes sont menacées, justement, de perdre ce droit de vivre d'avoir un revenu, d'avoir des conditions de vie normales ou riches même. Et je pense que c'est plutôt ça, ouais, quand il s'agit de lutte frontale, hein, je pense aux gens qui sont expulsés de leur ferme, ou ensuite des luttes par exemple pour les OGM, alors ça se passe à un autre niveau. Mais on sait très bien que si toute la semence est propriété de quelques firmes, tôt ou tard, les populations seront dépendantes de ces firmes-là pour leur alimentation. Et donc là, c'est bien aussi le droit à la vie le droit à la vie des populations qui est menacé, je pense. Enfin, parce que c'est pas quand des sociétés investissent énormément dans des OGM ou dans d'autres moyens. Hein. C'est pour faire de l'argent, quoi. C'est pas d'humanitaire, même s'ils le disent. Donc voilà, donc ça peut être quand le moteur dont tu parles, ça peut être directement parce qu'on connaît des gens qui sont menacés. Ça peut être à plus long terme, parce qu'on sait que c'est une menace. Comme les OGM sont une menace, comme ce qu'on nous a promis, là, le numérique, robotique, etc., je pense que c'est aussi une menace. On va peut-être qu'on y travaille un peu plus. Là. Tu arriverais à mettre un mot, du coup, sur l'émotion qui déclenche l'envie de lutter ?
Oula. Jean-François, tu fais oui. Oui, voilà. Oui. Ouais, vous m'entendez là? Oui, oui, on t'entend. On va juste. C'était juste que tu faisais beaucoup de bruit, mais là, ça va mieux. On prend Enfin, il y a trois personnes qui ont levé la main. Du coup, Jean-Luc, je te laisse juste répondre à cette question et après, il y aura Hugo qui pourra partager. Oui, alors, l'émotion, c'est, je pense que le plus couramment, c'est un peu la révolte devant quelque chose qui est une injustice ou qui est un danger. Plus que l'empathie, parce que l'empathie, c'est quand on connaît les gens. Pour moi, c'est quand on connaît les gens. Mais c'est plutôt la révolte. Et après, il peut y avoir évidemment de l'empathie quand on est dans l'action. Et puis aussi, le fait d'être avec d'autres. Je ne pense pas que moi, je me lancerai dans une lutte tout seul. Enfin, François, je n'ai jamais été amené à choisir, mais... Ok, merci beaucoup. On va prendre Hugo. Mais rapidement, ta question, moi, elle m'a évoqué des choses personnelles. Du coup, c'est très personnel ce que je vais dire. Je vais redire, parce que pour moi, ça fonctionne aussi, comme Jean-Luc. Le moteur principal va être l'injustice, en fait, le côté juste insupportable d'être face à une injustice. Et donc, l'extrême satisfaction d'être, et ce n'est pas souvent, finalement, dans le militantisme, sur des luttes qui concerne immédiatement et pour demain matin les conditions d'existence des personnes. Voilà, et donc, moi, j'ai retrouvé ça dans ma vie de militant sur des luttes aux côtés des sans-papiers, sur des luttes sur le droit au logement. Voilà, arrêter une expulsion, c'est la même chose que empêcher à les protéger des camarades sur leur ferme quand il y a les inspecteurs qui débarquent, voilà, ou quand une ferme va être aussi expulsée. Donc voilà, ça c'est même pas de l'ordre de la satisfaction, c'est juste soulager un sentiment d'impuissance, un sentiment d'injustice insupportable, voilà. Et ça, on est plus ou moins différent là-dessus, sur ce moteur-là. Moi, c'est clairement mon moteur principal. Le deuxième, ça serait vous témoigner que moi j'ai 40 ans, et donc il y a un peu plus de 20 ans, j'ai commencé à militer. Moi, je suis quelqu'un de très très urbain, familialement. J'ai pas de paysans. Il faut remonter à la quatrième génération pour trouver des paysans. Voilà. Et j'ai pas fait. Je suis pas agronome. Voilà. Je suis pas du tout dans ces milieux-là a priori. Mais j'ai eu, je pense, la chance de tomber il y a plus de 20 ans sur les moments. Alors moi, je suis la génération qui a été socialisée politiquement avec les OGM. Avec la lutte contre le brevetage du vivant. Et tout urbain et jeune lycéen que j'étais, eh ben, je me suis retrouvé à aller faucher des OGM. Et ça a été des moments mais incroyables. Enfin, si on parle d'émotion, là, c'est des moments qui changent une vie totalement. C'est, non seulement on fait quelque chose avec des gens, voilà, je vais enfoncer des portes ouvertes, mais évidemment, vivre ces choses-là collectivement, c'est puissant. Mais surtout, on se sent pleinement vivant, pleinement en prise à ce qu'on a envie de faire dans la vie, la compréhension du monde. Enfin, tout ça génère des émotions. J'aurais du mal à mettre des mots dessus, mais c'est comme... moi, j'ai vécu ces moments-là assez rarement. Hein, je les ai vécus sur des occupations de fac, des occupations longues, où on est resté des semaines et des semaines à occuper la fac, et voilà, là, on vit quelque chose d'incroyablement structurant pour le reste de sa vie. Et ces moments-là, d'action directe, de désobéissance à plein, avec, c'est très important, hein, avec un soubassement de réflexion ultra puissante. La question de la brevetabilité du vivant, la lutte contre les OGM, pour moi, hein, la concentrer. Ce qu'il y a de plus fort en termes d'analyse anticapitaliste, c'est on est à la croisée des questions de recherche de multinationales, de libre-échange, de qu'est-ce que c'est que le vivant, d'aller au cœur finalement de ce qu'est la domination, ce qui est assez rare finalement. Voilà. Et moi, vraiment en tant que très éloigné sociologiquement de ces milieux, les luttes paysannes, elles éclairent le monde pour ça, pour ces raisons-là, quoi. Je laisse la parole.
Wow, merci beaucoup pour ce témoignage. Peut-être pour favoriser quand même la prise de parole des agroutes, est-ce que vous avez une question ou une remarque qui vient là, brûlante, avant de donner la parole à Noémie? Enfin, brûlante ou pas brûlante d'ailleurs. Je ne sais pas si c'est longtemps là, ouais. Je ne sais pas si c'est une remarque, juste que moi, je me sens beaucoup en lien avec, avec ce que vous avez dit. Enfin, pour Ostium, ça fait 4 ans, 5 ans, je ne sais plus. Enfin, 4-5 ans que je suis impliqué dans des mouvements de désobéissance civile non violents et bien évidemment en lien avec tout ce qui va être les questions de défense du vivant et des terres agricoles, quoi. Et je vois que j'ai une question qui me vient parce que c'est pour l'avoir vécu et le vivre maintenant depuis 4-5 ans, c'est des milieux qui. Enfin, je me rejoins beaucoup à ce que tu as dit, Hugo. Je crois que c'est des sensations que j'ai vécues juste de je sais pas comment le dire, mais de quand on est là, qu'on bloque, qu'on occupe, qu'on a pensé un truc pendant des mois et qu'on boum, on est là et on le fait, d'extase. Et en même temps, je vois que sur la durée, c'est ça ma question, c'est comment vous positionnez dans votre lutte sur la durée. Parce que moi, je vois, ça fait maintenant 4 ans, et là, depuis 7 ans, ça devient. Et toutes les notions de prendre soin de soi, etc., sont vraiment assez présentes dans le mouvement auquel je faisais partie, qui est Extinction Rebellion. Mais pour autant, j'ai l'impression que c'est humainement très difficile. Souvent, notamment dans les rapports interluttes, c'est surtout ça qui est difficile. Et voilà, ma question, ce serait comment vous. Pas prendre des droits. Comment c'est pour vous ça, d'une part, le fait d'être confronté à une telle urgence et en même temps d'avoir en face des monstres, littéralement des monstres, et on s'agite un peu, mais est-ce qu'on est vraiment efficace? C'est des questions qui nous sont traversées. Et surtout, voilà, dans ce rapport interlutte aussi avec les autres, quoi, tout simplement, et avec des fois la dureté émotionnelle que ça peut être. C'est très vaste, et je crois que c'est une question non résolue de la lutte depuis des dizaines d'années que je te donne, mais c'est plus histoire d'avoir votre ressenti là-dessus que d'obtenir une réponse. Noémie, tu as envie de... J'ai complètement envie de répondre parce que j'avais déjà envie de poursuivre sur ce que disait Hugo et là, tu viens d'anticiper ma réponse, en fait. Moi, ce que j'avais prévu de vous dire, c'est que nous, à la base, là, tous les paysans du Gers qui nous sommes retrouvés à lutter pour la grippe aviaire, enfin contre la grippe aviaire plutôt, contre l'enfermement des volailles, on n'était pas du tout prédestinés à ça. On était des paysans, on faisait notre métier avec des hautes considérations d'éthique, de valeurs morales, de bien-être animal, le soin qu'on accordait à notre environnement, à la biodiversité, à nos clients, tout ça, ça faisait vraiment partie de notre vie, de notre métier. Mais c'était de l'éthique, c'était pas de la lutte. Et en fait, la lutte, elle est vraiment venue à partir du sentiment d'injustice qu'on a ressenti quand du jour au lendemain, on nous a demandé d'enfermer toutes nos volailles. Et qu'on a commencé, pour tous ceux qui osaient s'exprimer pour dire bah non, c'est pas logique, ça nous convient pas, ce sera mauvais pour nos animaux, bah là on a commencé à se prendre des mises en demeure, des rappels à la loi, des choses qui sont horriblement violentes, parce que quand tu vois sur le papier que du jour au lendemain on te considère comme un criminel, qu'on pourra te mettre au tribunal pour dire que tu diffuses des épisodes et que là c'est un délit, 750 000 euros d'amende, etc. Enfin, c'est un délire total. Donc le sentiment d'injustice, il a été très très fort, très prégnant, il nous a menés dans la lutte. Problème, c'est un sentiment qui crée, qui est pas, c'est un carburant qui se consume très très vite. Il crée après de la colère et il crée du désespoir parce qu'en fait, nous, on a eu l'espoir que cette lutte, elle soit rapidement gagnée parce qu'on se disait à chaque fois, bah, le bon sens paysan, il va primer. En fait, ils vont bien se rendre compte à un moment que quand on enferme les animaux, ils tombent malades, ils meurent, ils sont pas résistants. Et on va leur montrer ce que disent déjà plein de scientifiques, qui est que les animaux, ils meurent beaucoup plus de cette maladie dans des élevages claustrés industriel. Et en fait, il y a eu des assauts, dont Sauf qui poule du Var, les Miramap et tout, qui ont conduit ce sujet en référé, donc en urgence, auprès du Conseil d'État, qui devait être jugé deux fois, en décembre et en mars de l'année dernière. Et en fait, à chaque fois, ça a été des refus. Et des refus, donc ça voulait dire que nous, on allait devoir continuer cette lutte-là, encore vivre dans la peur d'avoir les gendarmes qui passent et qui te mettent des mises en demeure, ce sentiment d'injustice qui était toujours présent.
Et en fait, cette colère et cette injustice, ça nourrissait pas assez la lutte. On avait l'impression qu'à chaque fois qu'on se prenait une baffe, on se redressait, mais en fait, peu de temps après, on s'en reprenait une autre. Et on ne peut pas tout le temps être en action-réaction. Ça ne marche pas parce que ça ne nous nourrissait pas et ça ne nourrissait pas le lien humain qu'on avait besoin de créer d'une façon positive. Moi, je pense toujours à Spinoza, tu sais, qui parle des passions et là, des passions tristes. Et en fait, ce sentiment d'injustice nourrissait nos passions tristes. Et on a enchaîné les burn-out là, dans le Gers en 2021-2022. Enfin, 2022, du coup, il y a eu mais énormément d'arrêts d'activité, de réduction de cheptel, de burn-out, des nanas là, qui sont éleveuses, qui ne peuvent toujours pas remettre un pied dans leur élevage et aller voir leurs animaux, tellement ça a été brutal et violent. Et donc, on est plusieurs à avoir eu besoin de prendre du temps, du recul pour essayer de comprendre ce qui se passait. Et puis après, peu à peu, on a compris les logiques politique avec l'agro-industrie, que ça avait été préparé sur du temps long, etc. Et là, on s'est dit, ok, ce combat, ça va être un combat sur du temps long, en fait. Et il faut qu'on désobéisse sereinement, en se sentant bien dans nos bottes et clairement en prenant soin. Et c'est exactement ce que tu viens de dire. Il faut qu'on prenne soin de nous et on prend plus soin des autres. On essaye de plus se voir aussi sur des temps informels, aller boire l'apéro chez Béatrice, aller boire l'apéro chez Géraldine, etc., pour voir comment elles le vivent et qu'elles puissent s'ouvrir et parler de ce qui les traverse. Voilà un petit peu ce que je voulais dire. Faire gaffe au burn-out militant. Et clairement, nous, notre but avec Sauf qui poule, c'était de ne pas faire une asso que d'éleveurs, parce qu'on n'est pas nombreux, en fait. Déjà, on est surchargé de travail, on n'est pas nombreux. Le revenu paysan, c'est un vrai sujet, donc où est-ce qu'on trouve le temps d'aller lutter à côté? On s'est dit, on va sortir du simple cadre d'éleveurs et on va faire une asso qui combine les consommateurs et les éleveurs. Et en fait, les consommateurs, au début, ils sont à fond parce qu'ils ont le sentiment d'injustice aussi. Mais après, quand il faut se mobiliser sur le long terme, qu'il faut faire des réunions le soir, après le boulot, que notre but au début, c'était de faire des luttes dans la joie. Notre petit slogan, c'était une lutte sans loi est une lutte sans joie est une lutte perdue. Mais au bout d'un moment, on s'est fatigué et ils se sont fatigués avec et c'était compliqué. Et donc là, maintenant, après quelques mois un peu de pause, on se remobilise et on se remobilise aussi en réseau entre les différents Sauf qui poule du territoire français. Et là, on arrive à fédérer une parole commune, à se faire écouter par les parlementaires et à porter peu à peu des textes, des actions chacun sur nos territoires. La dynamique de territoire, elle est hyper importante pour maintenir la motivation. Et ensuite, la dynamique de réseau pour voir que parfois, dans notre territoire, ça peut être un peu compliqué, mais quand on commence à se balader sur d'autres territoires et à faire réseau, là, ça redonne vraiment, vraiment du peps et du lien humain toujours plus riche. Merci, Noémie. Jean-François avait levé la main, mais il arrive, il repart, il arrive, il repart, il arrive, il repart, donc tant pis. Y a-t-il une autre question, une autre remarque? J'avais une remarque qui m'est venue avant avec ton témoignage, Jean-Luc, et là maintenant qui revient, qui fait écho à ce que tu dis, Noémie. Jean-Luc, tu disais que les paysans ont besoin aussi des non-paysans pour lutter avec eux et elles. Et c'est un peu ce que tu dis, Noémie, avec Sauf qui poule, le besoin de ne pas avoir que des paysans, paysannes dans des réseaux de lutte, et d'avoir aussi besoin des consommateurs et d'autres humains dans les et ça m'a fait en même temps écho à des retours de paysans, paysannes, agricultrices qui partageaient des fois un peu leur énervement envers les... Alors, je sais pas si c'est lié, mais j'ai rien dit dans ma tête. agacement, énervement de certains... Enfin, de réseaux de consommateurs, quand je pense aux histoires de labels, ou en tout cas certains consommateurs qui critiquent le travail des agriculteurs, ou qui... Non, c'était pas très clair. En fait, je me demande à quel point on a besoin en tant que paysan d'avoir... À quel point on a besoin en tant que paysan... Ah, j'arrive pas, pardon, j'arrête. Je sais pas. Non, c'est clair dans ma tête, mais j'arrive pas à le dire. C'est de reformuler, c'est ça? Oui, je veux bien peut-être. Okay. S'il y en a qui en. De ce que j'ai compris, c'est que tu demandes à quel point, du point de vue de paysan,
il se positionne pour une collaboration avec des consommateurs qui peuvent parfois ne pas être dans la réalité de la vie des gens et enclencher des dynamiques ou des démarches qui vont un peu qui peuvent être stigmatisantes, en tout cas perçues comme stigmatisantes pour le métier, déconnectées des réalités. Donc, je n'ai pas été très clair non plus. Ouais, mais ça m'aide un peu. Et je ne sais pas si les paysans qui sont là, les paysans paysannes qui sont là, ça leur parle. Mais à la fois que le consommateur, enfin, que les non-paysans peuvent aider dans les luttes, et en même temps, je pense à pour les éleveurs qui reçoivent des visites de personnes contre l'élevage, des agriculteurs qui vont utiliser du glyphosate et qui reçoivent des personnes qui sont contre le glyphosate, et d'avoir en même temps besoin de non-paysans et en même temps que ça peut être difficile d'avoir des non-paysans. C'est plus clair ? Merci. Peut-être un retour par rapport au témoignage de Mélodie, et ensuite on fera une petite pause de 10 minutes pour aller prendre l'air, boire un verre d'eau et se retrouver. C'est que avant, il y avait... Vous m'entendez là ? Oui. Ok. C'est qu'avant, il y avait vraiment beaucoup de paysans. Et aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de paysans. Donc, les luttes paysannes, elles fonctionnent que si on a la société civile aujourd'hui. C'est-à-dire que le fait de lutter seul en tant que paysan, ça ne fonctionne plus. Sauf ceux qui ont des vrais moyens financiers, comme on a vu pour la FNSEA, etc. Mais si on veut mener des vraies luttes paysannes pour qu'il y ait un peu plus de justice, qu'il y ait un peu plus de terre pour les jeunes, etc., qu'on ait de la bonne bouffe, c'est quelque chose qui passe forcément par une lutte qui est liée entre les petits paysans et même les gens qui viennent du monde urbain. Donc, voilà, comme vous venez de le dire et comme vous êtes révélateur de cet aspect aujourd'hui, quoi. C'est les urbains maintenant qui mènent le plus les luttes paysannes, presque. C'est paradoxal, mais parce que c'est important, parce qu'on a ce phénomène de retour à la terre et de besoin de se reconnecter à la terre. Et ça, je pense que c'est une donnée sociologique du milieu paysan, du milieu rural, qui est essentielle à prendre en compte, quoi. Voilà ce que je voulais partager. Merci. Par rapport à ça. Merci, c'est super. Est-ce que Marine, tu veux prendre la suite pour la table ronde ? Oui. Merci. Merci Jean-François, merci tout le monde pour vos participations jusqu'à maintenant. Donc dans la construction de cet après-midi, vous m'entendez ? Ouais, est-ce que tu pourras... Oula, il y a un écho, je ne sais pas où c'est, mais bon, c'est pas grave. C'est bien de couper les micros quand vous n'intervenez pas, comme ça on évite les échos. Et Marine, ouais, si tu peux vite te présenter et aussi dire qu'est-ce qui t'anime dans cette intervention, c'est super. Merci. Ouais, donc je suis Marine, je travaille au sein des agronomes. Et on avait pensé avec Opaline cette intervention parce qu'on trouve que c'est très très important pour des jeunes qui vont s'installer, qui ont le désir de s'installer ou pas forcément de s'installer en tant que paysan, paysanne, mais de travailler au sein ou au service de la paysannerie, de comprendre certains enjeux des luttes paysannes et aussi parce que certaines, dans les étudiantes et étudiants de l'EAV, de l'École d'agroécologie voyageuse, sont déjà très investis dans des luttes et passent par beaucoup de questionnements par rapport à cet engagement-là. Et donc voilà, pour nous, c'était important d'avoir une intervention sur cette thématique, qu'on puisse aborder à la fois une certaine trame historique, parce qu'en fait, on a souvent des références de la paysannerie qui viennent d'autres parties du monde. On n'a pas forcément... on n'apprend pas des grands noms... des personnes qui sont au service des luttes paysannes en France, par exemple. Et,
Et donc voilà, on voulait pouvoir sortir de cette intervention avec des références à travers l'intervention de Jean-Luc, et puis de comprendre en fait, d'avoir des exemples très concrets du passage à l'action, d'action concrète. Et du coup, cette table ronde là maintenant, elle est dédiée à ça, c'est-à-dire pouvoir faire un petit tour là pour commencer de vos interventions concrètes dans vos collectifs, dans vos structures, dans ce que vous avez mis en place. Je voulais commencer par une question, mais à laquelle on a déjà répondu sur l'engagement paysan. Et donc, je pense qu'on peut passer tout de suite à cette présentation de vos structures qui agissent dans des domaines assez différents. Il y a à la fois donc Jean-François qui, lui, agit par une association qui vise à installer des jeunes et à ralentir ou limiter l'agrandissement des gros dans les Hautes-Alpes. Hugo, au sein de l'atelier paysan, on est plus dans des actions autour de l'appropriation, de la réappropriation de l'autonomie en termes de savoir et de savoir-faire au sein du milieu paysan. Noémie, sur la grippe aviaire, tu en as déjà dit quelques mots tout à l'heure, mais ça pourrait être intéressant d'avoir un peu plus de détails. Et Agnès aussi sur les documentaires, l'action culturelle et de production culturelle au service de la paysannerie. Donc voilà, si on pouvait commencer par un petit tour, chacun, chacune présenter la structure en ayant en tête cette idée de quelle est l'action concrète et du coup à quel moment on passe de la lutte contre quelque chose à ok, maintenant on va proposer, structurer et proposer une action concrète. Et donc on commence par Agnès, très bonne suggestion du coup. Donc Agnès, je te laisse commencer à répondre. Tu me prends un petit peu au dépourvu parce que moi, j'écoutais avec beaucoup d'intérêt, mais alors, moi, je ne me sens pas, avec mes documentaires, au service de la paysannerie. J'ai plutôt envie de créer des espaces, donc, grâce au film, où on puisse, en fait... partager un peu de la complexité de ce que c'est qu'être paysan aujourd'hui, éleveur, etc. Voilà. D'ailleurs, je voulais préciser que Jean-Luc m'a éclairé sur quand je crois que c'est quand je l'avais quand je t'ai filmé Jean-Luc ou enfin bon tu m'avais expliqué que pour toi un paysan c'est un acteur qui s'inscrit dans un territoire, un acteur du local, donc forcément il fait attention à ce qu'il met dans ses champs parce que il y a des externalités, il en tient compte puisqu'il est de ce territoire, alors qu'un agriculteur, c'est quelqu'un qui s'inscrit dans une filière, donc pour lutter et défendre sa place dans une certaine filière, prend son tracteur et va manifester pour avoir des néonicotinoïdes. Pour pouvoir en utiliser. Et ça m'a vachement éclairé, donc c'est pour ça que je le partage avec vous. Je peux pas vous dire plus sur les luttes. Moi, j'écoute, je suis très attentive à ce que vous dites. Je pense que moi, j'aime bien en fait écouter des personnes comme Jean-Luc parce que je me rends compte qu'à chaque période, en fait, les paysans se sont battus. Par exemple, quand même pour les OGM, ça a marché. Hein, enfin, on peut dire que c'est quand même. Enfin, votre combat a quand même été victorieux. L'hormone laitière, par exemple, ça a été aussi victorieux. Enfin, il y a eu. Et c'est ça qui est intéressant quand on écoute les personnes
qui se sont battus dans les générations précédentes, on s'aperçoit qu'il y a toujours... il y a eu donc ce grand mouvement de modernisation, etc. Mais il y a toujours eu des personnes qui mettaient des bâtons dans les roues et qui permettaient que une autre façon de travailler perdure à côté, en tout cas. Voilà. Donc, mais j'avais pas réfléchi. Tu m'as surpris, Marina. Moi, Agnès. Mais j'ai voulu profiter de ta présence avec nous et c'est vrai, ce n'était pas prévu initialement. Hugo, peut-être que tu peux nous présenter l'atelier paysan. Quoi, c'est nécessaire? Je ne sais pas. C'est un scandale. L'atelier paysan, en deux mots, hein, c'est la plateforme francophone des technologies paysannes. Et donc, on a forgé ce terme provocateur de technologie paysanne par opposition aux technologies industrielles en agriculture. Et donc, c'est une coopérative, on n'est pas une asso, on est une SIC, depuis 2014 sous forme coopérative, depuis 2009, c'est le début de l'aventure, donc c'est récent. Et donc, c'est une coopérative qui regroupe les paysans et les paysannes qui souhaitent prendre le pouvoir sur leur matériel agricole et sur les bâtiments agricoles. Donc, on tire le fil de la question de l'autonomie technique au service d'une autonomie paysanne et alimentaire. Et donc, j'insiste, hein, la question, c'est la prise de pouvoir. Ce n'est pas en soi de faire du low-tech ou en soi de faire de l'autoconstruction. Ça, c'est vraiment des moyens. La finalité, elle est la prise de pouvoir, ce que certains appellent la souveraineté. Nous, on appelle ça l'autonomie. Du coup, et alors je pense que c'est des questions qui doivent vous traverser depuis vos profils d'ingénieurs. La question de où se place le savoir dans les rapports sociaux. Et donc, nous, c'est une question qu'on travaille tous les jours parce qu'on emploie des ingénieurs. Et donc, c'est un combat quotidien de ce que les ingénieurs, tous et toutes de bonne foi et de bonne volonté, soient-ils et soient-elles, prennent pas le pouvoir sur les paysans et les paysannes, même de bonne volonté pour leur rendre service. Et donc on accompagne concrètement des paysans et des paysannes à faire de la conception ascendante de prototypes. Et pour que absolument ce ne soit pas les ingénieurs qui conçoivent à la place des paysans et des paysannes. Voilà, c'est très coûteux, c'est très douloureux des fois comme travail, c'est long, mais c'est collectif et c'est ascendant et c'est une ligne rouge chez nous. Et après, du coup, il y a des moyens qui sont associés, qui sont plus visibles ou plus connus, mais c'est il y a un pot commun. Donc, il y a à peu près 1 000 000 de technologies paysannes qui sont référencées en open source via le site Internet, via des tutoriels, un certain nombre de supports gratuits, anonymes, etc. Et puis, il y a l'activité de formation. Donc, on a 3 sites de formation au travail du métal en France et puis 7 camions ateliers qui, du coup, sillonnent le pays pour aller proposer des formations itinérantes. Monter des ateliers éphémères sur des fermes ou dans des bâtiments adaptés, ce qui fait qu'on a un programme de formation, on forme à peu près 600 à 700 personnes par an au travail du métal. Voilà, et moi je fais partie là-dedans, alors moi qui ne suis, je vous l'ai dit, pas du tout de racines paysannes, je ne suis pas ingénieur agronome et j'y connais rien au travail du métal, donc comme ça je suis bien là. Et donc moi je fais partie du pôle animation, donc d'aller colporter aussi le projet politique et non pas le projet technique. Et donc, à ce titre, on est engagé dans des activités d'alliance, de construction de rapports de force à différents endroits. Et donc, au-delà de notre action, qui se situe en effet dans une alternative, je dirais même coincée dans une alternative, nous essayons d'engager quelques forces modestes dans la question du rapport de force. Voilà, et 2-3 chiffres, hein, l'atelier paysan, c'est du coup 3 sites, c'est 170 sociétaires et c'est 29 salariés qui travaillent, donc c'est quand même un truc. Et pour... Tu veux juste que je me présente ou que je réponde à la question en tant que j'ai la main? Ouais, vas-y, je peux continuer. Donc, c'est sur les modalités d'action.
Donc, il y a la modalité du coup alternative, c'est-à-dire que nous sommes un centre de formation à la soudure alternative, nous sommes un espèce de centre de conception qui produit collectivement du matériel alternatif au matériel industriel pour une production alternative. Vous voyez, j'ai bien insisté sur ce mot. Nous avons posé le constat que nos alternatives ne transforment absolument pas le modèle, mais absolument pas. Et donc, malgré l'incroyable puissance de cette alternative et puis le fait qu'elle sauve des vies, il n'y a aucun lien entre le développement de ces alternatives et un quelconque recul de notre adversaire commun, le complexe agro-industriel et l'alimentation qu'elle produit. Voire même, elle nous place dans. C'est pour ça que moi, je renverserai la question que tu as proposée. Pour nous, la question à l'atelier paysan, c'est pas trop comment on passe de lutter contre à faire des actions avec ou pour ou ensemble. On prend les choses totalement dans l'autre sens. On fait des actions. On a pu faire la démonstration que ce qu'on fait est utile et voire même absolument indispensable à des questions de survie paysanne, de maintien d'une autre voie dans les failles que nous laisse le système. Mais pour nous, l'enjeu, il est plutôt de passer à l'action contre. Parce qu'en fait, il y a plein de gens qui ont plutôt de l'énergie à passer dans les alternatives et qui finalement renoncent à lutter contre par impuissance totale à obtenir des victoires, à avancer sur ce terrain-là. Et donc, plutôt ce qu'on entend, c'est je ne vais pas prendre ma carte à la Confédération paysanne, je vais plutôt faire la révolution dans mon champ, quoi, et ça sera déjà pas mal. C'est plutôt ça la pensée dominante aujourd'hui, qui n'était pas la même que dans l'époque que nous a décrit Jean-Luc tout à l'heure, où c'était presque l'inverse. Là, la pensée dominante, travaillée par une certaine idéologie libérale, je suis obligé de dire les choses à la hache, parce que leur tourne, je suis désolé, nous oblige à finalement faire un travail d'éducation populaire, un travail d'éducation politique, qui est de réaffirmer la question des rapports sociaux, qu'il ne s'agit pas d'une question de bonne volonté, qu'il ne s'agit pas d'une question de personnes, d'êtres humains lumineux portés par la grâce, qui font les bons choix dans la vie, les bons choix de nourriture à mettre dans son caddie ou les bons choix de production à mettre dans les champs, mais qu'il s'agit bien, non pas d'une histoire morale, mais d'une histoire structurelle d'organisation sociopolitique. Et que l'histoire que nous a décrit Jean-Luc, il faudrait la coller à l'histoire de l'industrialisation de l'agriculture, qui laisse peu de place en fait à la volonté individuelle. Tout le monde est pris dans le rouleau compresseur, tout le monde, et même nos alternatives. Nos alternatives sont prises dans un étau industriel. Si vous pouvez le dire de façon provocatrice, s'il n'y avait pas les conventionnels, il n'y aurait pas la bio. Le mot conventionnel a été inventé par la bio, et finalement, la bio ne se distingue que par rapport à ces conventionnels, et on serait bien emmerdé, de pouvoir exister de façon lumineuse là-dedans. Et nous, on a poussé le bouchon un tout petit peu plus loin, et ça, je vous donne, parce que ça serait chouette qu'on atterrisse finalement sur des questions stratégiques, non pas de modalités. Je pense que les modalités, elles sont accessibles. Les modalités, elles sont documentées. Toutes les façons de lutter, vous pouvez les trouver. Je pense que le grand manque en ce moment, il est double, il est d'avoir un projet politique commun. L'idée n'est pas d'aller lutter pour, avec, ou derrière, ou devant. L'idée, elle est comment l'ensemble de la population peut se saisir d'un projet politique commun pour qu'on puisse faire société sur les questions agricoles et alimentaires, et donc lutter côte à côte pour le même projet, paysans, gens des quartiers populaires, travailleurs, vers un projet révolutionnaire, dans le sens abattre les institutions et en construire d'autres autour des questions de subsistance, où les questions de subsistance seraient centrales. Voilà, et là, on est un peu orphelin. Donc, on est quelques-uns à contribuer à rétablir, finalement, un projet politique que nous, on a appelé l'autonomie paysanne alimentaire, que le courant écoféministe allemand appelle la subsistance. Et
Donc, on a progressé ces dernières années sur commencer à formuler un projet politique désirable pour l'ensemble de la population et pas un projet commercial du genre « t'as qu'à traverser la rue et aller à la Biocop » ou « t'as qu'à traverser la rue et déserter de ton école d'ingé pour aller faire paysan boulanger ». Vous voyez, c'est un peu limité en termes de projet politique. Et on commence à le formuler. Maintenant, il va falloir aller sur des questions tactiques. C'est-à-dire, et ça je rejoins votre première question qui était finalement c'est quoi le moteur de l'engagement? En tout cas un frein, c'est de s'attaquer à des objectifs totalement inatteignables tout le temps. Voilà, vous faites une manif pour aller abattre le capitalisme, et ben vous allez rentrer déçu le soir parce que le capitalisme sera encore là. Et du coup à la fin, ben, on se dit que ça sert à rien de faire des manifs, vous voyez, un espèce de raccourci. Et en fait on s'est créé nous-mêmes notre propre impuissance en étant incapable de penser tactique. Et ça rejoint ce que disait Noémie hein, tout à l'heure hein, sur voilà, des étapes. À arriver à allier le moment court de la défense où il faut agir là tout de suite avant qu'il y ait quelqu'un en danger et le moment long qui est plutôt un processus révolutionnaire d'avancer là-dedans. Et ça, ben, en fait, on a perdu les MRJC, on a perdu la JAC, on a perdu nos grands mouvements de socialisation politique, les espaces pour pouvoir en parler. Donc, en fait, on a du taf. À faire là-dessus si on veut réellement reprendre la terre aux machines quoi. Voilà, et donc pour juste illustrer, pour terminer cette boucle, eh ben, nous, petites coopératives qui faisons des stages de soudure, eh ben, nous voilà engagés, on est dans trois coalitions. On est dans la coalition du Pôle Impact. Donc le Pôle Impact, c'est l'ensemble des structures de l'agriculture paysanne sur le développement des alternatives, pour le coup, avec Terre de Liens, avec les AMAP, avec les MRJC que j'ai cités, avec Accueil Paysan, Solidarité Paysan, etc. Donc, on est engagé là pour en fait, continuer à faire survivre notre proposition alternative, bien entendu. Mais on est aussi engagé sur deux autres coalitions beaucoup plus politiques et beaucoup plus… Enfin, pas politique, beaucoup plus sur le rapport de force. On est engagé dans le collectif national pour une sécurité sociale de l'alimentation depuis le début. Je n'aurai pas le temps de développer. Et on est engagé, on est signataire des soulèvements de la terre depuis le début aussi. Et donc, je peux vous annoncer que dans les prochaines saisons qui ont été discutées la semaine dernière, la place de la technologie, de la robotique, du numérique, qui était finalement la suite des OGM, vont être sur le tapis avec lutter contre ce projet de transhumanisation de l'agriculture, de se débarrasser totalement des derniers paysans et paysannes. On a coutume de dire que l'OGM, c'était l'apéro. Eh bien, jeunes amis, vous allez pouvoir vibrer comme nous avons vibré il y a 20 ans parce que nous allons ensemble faucher des drones et des robots. Je laisse la parole. Merci Hugo, tu as anticipé vraiment une question qui pour moi était centrale justement sur l'aspect, parce que c'est évidemment un projet néolibéral des dernières années, mais c'est encore plus intensifié, j'ai l'impression, au cours de la pandémie, avec un retour vers les campagnes, entre guillemets, mais dans une perspective très individualiste et moralisatrice et consumériste en creux. Et donc, la question de la repolitisation, de la compréhension des rapports sociaux qui sont à l'œuvre. Et donc, voilà, le vrai travail d'éducation populaire qui est nécessaire derrière. Et quelles sont les structures, notamment les syndicats, quelles sont les structures que l'on peut, avec lesquelles on peut œuvrer ou non, parce qu'elles ont été ultra affectées ces dernières années. Donc merci pour ton intervention. Je laisse la parole à Jean-François, si tu peux nous présenter l'association et continuer ce dialogue que Hugo a déjà souligné. Donc moi, je vais surtout axer mon intervention sur la question de l'accès au foncier, puisque c'est beaucoup là-dessus qu'on a travaillé. Je voudrais juste rappeler quand même le contexte français où on a quand même un organisme extrêmement important et relativement puissant qui s'appelle la SAFER. Et je pense que c'est un organisme qui est incontournable, hein, puisqu'en fait, c'est un organisme qui est sous tutelle de l'État.
et qui a quand même beaucoup d'avantages, c'est-à-dire qu'il régule la vente du foncier agricole et par rapport à ça, ça évite un certain nombre de dérives et je pense que c'est vraiment un outil déjà précieux. Je tiens à le signaler parce que des fois, on l'oublie un petit peu. Moi, j'ai beaucoup travaillé finalement en recherche de consensus. Je n'ai jamais été réellement dans l'affrontement. Ce n'est pas tellement mon approche. Et mon approche, et je pense qu'il faut des deux. Mais mon approche, c'est toujours d'essayer de garder le lien avec les plus gros, etc., tout en sachant exactement où on se situe et qu'est-ce qu'on veut faire. Et ne jamais se renier. Et en fait, c'est ça qui me semble important. Je parlais de la SAFER parce que c'est un système qui, maintenant, est beaucoup tenu par le syndicat dominant, hein, c'est-à-dire la FNSEA, donc avec toutes les dérives que ça entraîne. Et en local, bien sûr, il y a ce problème de désertification plus, hein, jusque dans les années 2000. J'ai envie de l'arrêter dans les années 2000 parce qu'en fait, maintenant, on commence réellement à avoir un mouvement de retour très fort à la terre de gens qui n'y étaient pas avant. Et ce que je trouve très intéressant, c'est qu'on se rend compte que finalement, les petites structures aujourd'hui qui se mettent en place sont des structures qui ont une réelle autonomie. Je prends juste un exemple. Hein. Nous, on fonctionne sur 2,5 hectares. On a des espaces de cueillette. On arrive à fonctionner à 2,5 plein temps sans aucune subvention PAC. Parce qu'on a un mode de commercialisation, de fonctionnement qui nous permet d'être complètement autonome. Alors, on n'est pas les seuls hein, dans le monde des simples, notamment, dans lequel je suis aussi. C'est des structures qui sont extrêmement autonomes. Et je pense que c'est important. On le voit aussi, ça se développe beaucoup chez les petits maraîchers. Et du coup, toutes ces structures qui deviennent de plus en plus autonomes, c'est pas qu'elles font peur, mais peut-être qu'elles font peur. En tout cas, elles font exemple. Et ça, c'est drôlement intéressant. Parce que pour moi, c'est des espaces où il y a de l'espoir. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il n'y a aucun paysan, aucun gros paysan qui peut fonctionner sans les subventions. C'est-à-dire, ils sont tous pieds et poings liés. Et c'est aussi ça qui fait qu'on a forcément de plus en plus de gens qui sont en dépression, etc. etc. Alors, sur notre exemple local, on a créé une association qui s'appelle TERRO, ça veut dire Territoire et Revitalisation Rurale dans le Rosanais, il y a une douzaine d'années. On avait mis en fait suite à... Il y avait eu une suppression de 20 emplois dans notre village, un village qui commençait à se désertifier un maximum. Et avec, comme partout ailleurs, des structures de plus en plus grosses. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir, comme il y a 50 ans, une quarantaine de paysans au village, il n'y en a plus que 3 au bout d'un moment, voire qu'un dans certains villages. Donc du coup, on arrive à une déstructuration complète de la vie dans le milieu rural. Et donc, on a réfléchi là-dessus. En tant que citoyen déjà, c'est-à-dire que le but du jeu, ce n'était pas faire d'une association agricolo-agricole. Et c'était en partant de ça. Et donc, nous, ce qu'on a fait à ce moment-là, c'est qu'on a interpellé la mairie, la SAFER, sur qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter que les terres reviennent toujours au plus gros. Tout simplement parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est quand il y a une terre qui se vend, en général, on a une quinzaine de jours pour, en tant que paysan, en tant que délégué syndical, hein, parce que je suis délégué syndical à la conf au niveau local. Mais en 15 jours, vous n'allez pas trouver un porteur de projet pour racheter 1,5 hectare, ou même 5 hectares.
Donc, on a réfléchi au système qui existait et en fait, il existe un système qui s'appelle le stockage de terre où vous avez une convention qui se signe entre la région, la mairie et la SAFER. Où, en fait, quand il y a une terre qui se vend, cette terre, elle est stockée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas remise sur le marché directement. Et vous avez des conventions de stockage qui fait que pendant 3 ans, ces terres ne peuvent être vendues. Alors, ça ne veut pas dire qu'elles restent en friche. Il y a ce qu'on appelle des CMD, des contrats de mise à disposition, mais qui ne donnent pas droit aux paysans de les utiliser. Et donc, du coup, pendant 3 ans, on peut réfléchir à un projet d'installation. Et du coup, c'est ce qu'on a fait. On a pu installer comme ça 2 maraîchers. On a eu aussi quelqu'un qui s'est installé en tant que cueilleuse. On a des pépiniéristes qui ont fait pendant 3 ans leur période d'essai, alors qu'ils ne sont pas installés chez nous, mais qu'ils sont installés ailleurs. Et du coup, ça a vraiment créé une émulation, si vous voulez, et ça a créé une redynamisation locale. C'est-à-dire que derrière, ce qui s'est passé, c'est qu'avec l'arrivée d'un maraîcher, puis deux, eh ben, on a été, au bout d'un moment, suffisamment nombreux pour créer un magasin de producteurs sur le village. Donc aujourd'hui, vous avez un magasin de producteurs sur le village. Vous voyez, ça fait boule de neige, quoi. Et c'est pour ça que moi, je suis... je ne suis pas toujours optimiste, mais je pense quand même qu'on a des leviers. On a des leviers parce que je pense que les humains ne sont pas morbides par nature et on va quand même vers la vie. Je pense qu'aller vers la vie, c'est aller vers le bio, c'est aller vers les petites structures, c'est aller vers la vitalité en local. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on se rend compte que les citoyens qui viennent au marché, ils savent très bien ce qui se passe. Ils savent très bien qu'au final, ben c'est parce qu'à un moment donné, on a mis le paquet sur la problématique foncière. Et c'est en mettant le paquet sur la problématique foncière qu'on a pu installer des petites structures, donc redonner de la vitalité au village. Et ça se fait avec des moments où on met son poing dans sa poche. Où il faut un peu en lâcher parce que les grosses structures agricoles ont encore des poids très importants au niveau départemental ou régional. Donc du coup, on ne gagne pas tout, mais au moins on gagne un peu. Et ce qui est très très intéressant, c'est que maintenant, ce qui se passe au niveau agricole, c'est que quand par exemple, vous avez un problème pour la rétribution des terres. C'est-à-dire que vous avez, par exemple, 10 hectares sur un secteur qui doivent se vendre. Avec le développement des petites structures, on se rend compte qu'à la Confédération paysanne, par exemple, moi, j'avais beaucoup insisté pour qu'il y ait dans chaque village un représentant de la Confédération paysanne. Parce que quand il y a des commissions locales qui doivent étudier la répartition des terres, alors qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, comme avant, on avait, moi, les premières réunions que j'ai faites sur 10 paysans, j'étais tout seul de la Confédération paysanne. Donc ça veut dire que naturellement, les terres allaient à leurs copains. Aujourd'hui, sur 10 paysans, on est 3 ou 4 de la Confédération paysanne. Ça veut dire que on est en train de faire basculer quelque chose. Et c'est intéressant parce que c'est notre nombre, en fait, qui fait basculer les choses. Et ça, je pense qu'il faut, il faut bien le garder, c'est que le nombre est très important. Le nombre est la pertinence des projets qu'on met en place. Mais ça, ça prend du temps. Ça prend du temps. Ça nous a pris 10 ans. Avec effectivement des fois en local des frictions très fortes avec les gros paysans. Mais c'est nécessaire. C'est nécessaire et je dirais que c'est une lutte pacifique.
Mais en même temps, dans les relations locales, c'est vrai qu'on en paye un peu le prix, quelquefois. Mais ça vaut vraiment le coup. Ça vaut vraiment le coup. Et Jean-François, ce que je dirais un petit peu... Ouais. Vas-y, je te laisse oui. Le temps avance. Vas-y, vas-y. OK. Oui, juste pour finir sur cette question d'action, de lutte, etc. Ce que j'ai envie de dire, qui pour moi est vraiment très important, c'est qu'il faut toujours rester en vigilance. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément le pouvoir, on n'a pas les espaces de décision, mais le système, le gros système a tellement de failles, et de plus en plus, qu'il faut qu'on soit toujours en vigilance et en présence. Alors c'est vrai qu'on se tape des burn-out, des choses comme ça. Mais la vigilance, le lien fort avec la société civile, c'est ça qui fait qu'on va passer à un moment donné. Et quelque part, être des exemples. C'est-à-dire qu'on n'a pas trop droit à l'erreur non plus. Ben voilà ce que je voulais vous partager. Merci Jean-François. Et je trouve super intéressant. Bon, c'est très très court en fait là pour tous vos parcours et vos expériences qui sont tellement riches là pour les intervenants présents. C'est hyper intéressant de comprendre cette action très, très, très locale qui amène Jean-François et à quel point, en fait, l'impact est ultra visible. Enfin, je le dis parce que du coup, je connais cette région et j'ai travaillé avec Jean-François plusieurs années et donc c'est très... Ça se ressent de manière très forte tout de suite dans la vie locale. Vraiment, il y a une immédiateté avec l'installation et l'arrivée de certains jeunes. Et donc, c'est fou comme les rapports de force peuvent bouger aussi selon les personnes en présence. Noémie, je te laisse continuer et présenter tout ce qui coule. Ouais, ça marche. Donc, moi, je vais abonder aussi dans le sens de ce qui a été dit avant. En fait, nous, c'est une asso qui s'est créée à la fin de 2021 quand les agro-industriels ont décidé de nous mettre un énorme tour de vis sur la réglementation qui s'attachait aux volailles plein air. En fait, ça a été fait de façon assez insidieuse, toutes ces normes-là sur la volaille, parce qu'en 2016-2017, il y a eu les concepts de biosécurité qui sont arrivés dans nos élevages suite aux premières crises de grippe aviaire. Et en fait, ça, c'était un débat qui restait très technique. Ça a été très compliqué à l'époque de mobiliser les consommateurs. On disait juste que c'était des nouvelles normes à appliquer avec des mises aux normes qui allaient nous coûter quelques investissements, etc. Mais ça n'a pas provoqué une lutte et une grosse opposition. C'était vraiment un débat technique et on n'a pas compris à l'époque que c'était quelque chose de profondément politique et d'un rapport de force énorme qui se jouait entre l'agro-industrie et la paysannerie. Ça, c'est arrivé un peu plus tard. Il y a quand même la CONF qui a évidemment énormément travaillé sur ce sujet dès le début, qui a dit attention, la biosécurité, ça va faire fermer des tas d'élevages qui ne pourront pas se mettre aux normes, aligner la mise, etc. Et là, à ce moment-là, la lutte institutionnelle de la CONF a marché. Ils ont réussi à faire un guide qui adaptait ces exigences de biosécurité aux petits élevages, 2018. Et donc, de 2018 à 2020, on a eu le droit, quand on était en bio, label de qualité, de garder nos volailles en plein air. On avait une dérogation. C'est une dérogation qui coûtait quand même de l'argent. Il fallait faire venir un veto à nos frais, payer, avoir peur qu'ils trouvent des trucs qui ne lui convenaient pas, parce que d'un veto à l'autre, en fait, ils ont des interprétations très différentes. Mais bref, on avait quand même le droit, en système dérogatoire, ce qui était déjà un peu gênant, de garder nos animaux dehors. Et en fait, fin 2021, il y a eu cette obligation de claustrer nos volailles. Et moi, ce qui me chagrine beaucoup dans le parler administratif, c'est que les mots sont parfois très doux, très agréables, et ils cachent une réalité qui est extrêmement violente derrière. En fait, cette claustration des volailles, elle s'est appelée « mise à l'abri ». Ils nous ont appelé ça une mise à l'abri. Donc, pour la plupart des gens qui entendaient mise à l'abri dans les journaux, ils ne comprenaient pas que la réalité, en fait, elle était horrible derrière, que c'était de confiner tous les animaux. Et dans le texte de loi, c'était aussi marqué que confiner tous les animaux, peut-être que ça allait poser des problèmes de bien-être animal, auquel cas on avait le droit de faire passer le veto pour réouvrir une toute petite courette extérieure. En fait, ça veut juste dire que les volailles, elles se piquent jusqu'à en mourir. Donc, c'est quand même assez violent. Et de même, tout ce qui était occasionné derrière dans la gestion de la grippe aviaire, c'était des stratégies de zonage
Donc, quand tu as un foyer, autour, tu as une zone de 3 km, puis 10. Et dans les zones, autour des zones infectées, il y a ce qu'on appelle des dépeuplements. Et donc, dépeuplements, en fait, c'est des abattages complets de volailles saines pour éviter que le virus ne se transmette. Voilà. Donc, en fait, quand en 2021, il y a eu ce couperet qui est tombé de nous dire, bah, là, il va falloir enfermer vos volailles. On a trouvé ça hyper violent et on s'est constitué en association. Il y avait déjà une asso Sauve qui Poule qui existait dans le Vaucluse. Donc, on a décidé de prendre le même nom pour montrer en fait qu'il y avait des assos comme ça qui se créaient partout sur le territoire, que notre lutte elle était vraiment territoriale et marquée avec nos consommateurs sur le terrain. On a cette chance en tant que paysan d'aller sur le marché et d'avoir un lien de confiance très très fort avec nos consommateurs. On les nourrit, mais eux, ils nous nourrissent en retour de motivation et de faculté à militer ensemble en fait. Et donc maintenant, il y a 13 associations Sauve qui Poule sur le territoire. Et vraiment, au début, on était un peu abasourdis parce qu'on ne comprenait pas pourquoi, du jour au lendemain, on ne pouvait plus exister. Parce qu'en fait, jusqu'à 2021, on disait que les deux modèles pouvaient certainement coexister. Les industriels, qui font un produit très bas de gamme, un peu destructeur pour leur environnement, dédié à l'export. Et nous, à côté, avec nos alternatives paysannes, on va les appeler comme ça. Donc ça, ça reprend vraiment ce que disait Hugo tout à l'heure au niveau de l'atelier paysan. Nos alternatives, en fait, elles ne suffisent pas. Parce que là, la présence même des agro-industriels et leur pouvoir de négociation et de lobbying ont fait que les lois qui sont passées, c'était des copier-coller vraiment de ce que demandait l'interprofession, c'est-à-dire une espèce de martelage là, de dire c'est la faute de la grippe, c'est la faute de la faune sauvage qui transmet la grippe aviaire aux élevages plein air. Donc, c'est l'élevage plein air qui pose problème, on va les confiner et ça nous vouait à l'extinction. Donc, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas cohabiter. Et de même, dans des zones comme les Landes ou l'ouest du Gers, il y a tellement d'élevages indus qu'en fait, même les élevages plein air qui sont autour se retrouvent contaminés de proche en proche. Donc, les deux modèles ne peuvent pas coexister et cohabiter. Donc là, on s'est dit, il va falloir mobiliser nos consommateurs, informer, maintenir nos alternatives, et ça c'est très dur parce que quand tu vis dans la peur de ce contrôle, les amendes sont vraiment complètement disproportionnées, il faut réussir à tenir le coup. Donc Sauve qui Poule, ça s'est créé pour faire un espace de parole là, entre les éleveurs, pour attirer les consommateurs et porter un message ensemble, et ça complète le volet syndical qui est très très important et qui est mené depuis longtemps par la CONF et où eux sont dans ce bras de fer institutionnel. Et en fait, peu à peu, le fait que notre Sauve qui Poule SM sur le territoire, ça nous a donné un moyen aussi de se faire entendre. Là, il y a un rapport d'enquête sur la grippe aviaire qui a été lancé en novembre et par chance, j'ai fait mes études à Sciences Po avec l'administratrice de cette commission-là. Donc, elle m'en avait informé en amont et elle m'a dit oui, je connais bien la problématique parce que je viens de voir dans le Gers tous les ans. J'en ai parlé aux députés et vraiment, ils trouvent ça assez innovant, ces espèces d'assauts, là, de mouvements qui ne sont pas que sur les éleveurs, mais qui visent plus large. Ils veulent vous entendre et en fait, ça nous a redynamisé là, tous les Sauve qui Poule sur le territoire pour réaligner nos discours, nous remettre en réseau et nous refaire travailler ensemble. Et on agit là sur plein de niveaux. On essaye d'apporter un soutien aux éleveurs locaux pour pas qu'ils disparaissent, parce que s'ils disparaissent, déjà notre faculté à porter ce message est beaucoup plus compliquée. Après, on agit aussi auprès de nos certificateurs, parce qu'on a été très choqués que les certificateurs bio acceptent la claustration de toutes les volailles en France, parce que du coup, ils certifient bio des choses qui sont plus du tout bio. Dans le Gers, il y a EcoCert, le siège est à l'Île-Jourdain. Donc l'année dernière, il y a eu plusieurs rencontres avec eux. Là, on vient de relancer des rencontres et ils nous invitent là, plusieurs éleveurs, à aller co-animer une discussion sur notre rapport à l'animal et au vivant devant leurs collaborateurs. Donc en fait, peu à peu, c'est vraiment des débats d'idées, mais ça mêle à la fois l'idée, la théorie et la pratique et un discours politique derrière. Il y a vraiment, c'est vraiment au cœur. Moi, dans chaque conférence que je fais, je redonne les trois axes de l'atelier paysan. Donc là, je tote un peu les mots de la bouche, Hugo. Mais ils sont vraiment importants. Il y a le rapport de force institutionnel. Ça, c'est très fort avec les syndicats. Et il faut qu'on collabore, qu'on soit main dans la main. Quasiment tous les éleveurs Sauve qui Poule, de toute manière, sont à la conf. Mais par contre, ce qu'on fait avec Sauve qui Poule, c'est une action complémentaire. C'est sur le volet d'informer les consommateurs sur comment sont faites les lois et quelles sont les dynamiques en jeu d'opposition et de domination aussi, qu'elles soient économiques, politiques. Et puis ensuite, les alternatives à l'agro-industrie, c'est celles qu'on essaye de cultiver sur nos élevages et sur les marchés.
Donc voilà un peu pour les moyens de lutte. Et tout à l'heure, il y avait cette question avant que ça coupe de on bosse pour nos clients et parfois il y a des clients qui ne sont pas forcément alignés avec nous. Je vais élargir un petit peu. En fait, oui, voilà, les clients nous nourrissent énormément et nous, enfin, c'est vraiment eux qui nous donnent le fuel pour continuer à avancer et avancer ensemble. Mais moi, ce qui me questionne plus, ce qui me rend triste, c'est parfois qu'on se tire dans les pattes entre gens qui visent la même chose. Par exemple, là, j'ai passé beaucoup de temps à aller défendre le bouquin et parler d'élevage plein air. Enfin, donc, parce que la sortie du bouquin, ça a été pour ma part en septembre. Donc, de septembre à décembre, j'ai été très engagée là, sur des plateaux télé, des plateaux radio, des librairies, etc. Bah, la conf locale a trouvé du coup que je passais pas assez de temps en réunion locale. Et, merci Agnès. Et du coup, on s'est retrouvés là en tension avec la conf au niveau local. Alors que j'avais envie de dire, mais enfin, on défend la même chose. On est tous... on vise tous la même chose, les moyens d'action vont être différents et vraiment ça m'a attristée parce que pareil, d'autres éleveurs du réseau Sauf qui poule au niveau local sont un peu en bisbille avec la conf parce que les moyens d'action ne sont pas les mêmes et la temporalité n'est pas la même. Et en fait non, il est trop tard pour se prendre les pieds dans nos propres tapis, quoi. Il faut vraiment qu'on avance de concert. Et la semaine dernière, je suis allée présenter ces sujets-là auprès d'Extinction Rébellion à Paris. J'ai été prise à partie pendant 30 minutes après la conférence par des antispécistes. Et vraiment, c'était fatigant parce que ils voulaient à tout prix me faire cracher que l'élevage, c'était mal et qu'il fallait qu'on arrête de tuer des animaux. Et je leur ai dit, mais il faut qu'on arrive à s'accorder là pour attaquer ce qui est le plus destructeur pour la biodiversité, c'est-à-dire beaucoup plus d'animaux que juste les animaux de ferme, vraiment le système dans son ensemble, la pétrochimie qui crée aussi des dommages pas possibles sur la santé humaine et les conditions d'habitabilité de notre planète à terme. Et en fait, pourquoi on ne s'attellerait pas là ensemble plutôt à dégommer l'agro-industrie qui considère l'animal comme un facteur de production, qui lui dénie toute sensibilité. Enfin, la priorité, vraiment, elle est là. Il est trop tard là pour vraiment être en opposition les uns avec les autres. Donc voilà un petit peu, ça m'avait rendu vraiment triste, parce que aussi le sujet là, c'était les luttes territoriales, locales et l'élevage paysan qu'on fait derrière. Et en fait, toute question-réponse a été monopolisée par le sujet antispéciste et faire cracher à l'éleveuse de la salle que tuer un animal, c'était mal, alors qu'on était tous en train d'essayer de défendre la préservation de nos terres agricoles, de notre eau, de nos biens communs face à l'agro-industrie. Et promouvoir un modèle d'avenir qui soit agronomiquement viable et qui préserve l'habitabilité de l'humain, enfin de l'écosystème pour l'humain demain. Voilà, je vois qu'il y a des mains qui se lèvent. J'ai abordé le sujet antispécifique, voilà. C'est super intéressant et ça pose la question de l'articulation des luttes et de savoir ne pas se tromper d'ennemis aussi d'un point de vue stratégique en termes de où est-ce qu'on passe son énergie. Mais là, le temps court à une vitesse folle. Donc, je reviens vers mon client Pologne. Et c'est à vous. Bon, moi, je vais bien prendre la parole rapidement. Ce n'est pas tellement une question, c'est plus pour Noémie. Et je vois, quand je t'entends dire ça, par Extinction Rébellion, c'est un mouvement qui est cher, enfin, que j'ai contribué à le créer en France et à son émergence depuis 2018. Et ça ne m'étonne pas du tout en fait, que des gens aient fait ces remarques-là. Et j'en suis vraiment triste aussi, parce que je pense que les gens que tu as rencontrés, c'est la plupart de mes amis. Et j'en suis triste parce que, je pense que c'est beaucoup une population d'urbains, à Paris notamment. Qui est là et je vois aussi qu'il y a un vrai piège dans la lutte qui s'est refermé sur, je pense, les jeunes avec l'urgence écologique qui nous est tombée dessus, entre guillemets, et il y a eu une vraie polarisation de plein de choses dans nos vies et des gens qui ont vraiment enfin voilà, la question de l'antispécisme, moi je vois, j'ai la chance, entre guillemets, de ne pas avoir cette provenance du milieu urbain, juste de l'avoir côtoyé, mais pas d'y être grandi, pas d'y être né. Et voilà, enfin, je voulais juste m'excuser en leur nom parce que ça me rend vraiment triste et pour moi, c'est pas, ça ne représente pas l'intégralité de pensée du mouvement non plus. Et j'en suis triste aussi, j'ai quitté à deux, trois reprises là,
le débat, parce que enfin, moi, ça fait depuis deux ans que je pense, réfléchis de questions stratégiques et que, ça me prend la tête comme toi. Beaucoup d'émotions qui viennent, c'est un sujet qui m'anime beaucoup, et pardon de me la parole derrière, je m'en excuse aussi. Tu as posé une question, pourquoi on ne fait pas ensemble c'est une grande question que je me pose dans la lutte depuis que je la côtoie depuis 4-5 ans. Et j'ai toujours pas la réponse, j'ai toujours pas compris pourquoi les gens ne veulent pas faire ensemble non plus. C'est ça la dureté dont je parlais tout à l'heure. Bon courage. Ouais, bon courage, je pense qu'on a du courage pour naviguer dans ça. Et voilà, mais je pense que ce discours de faire avec et lutter pour, lutter ensemble pour, c'est vraiment quelque chose qu'il faut continuer de tenir, quoi. Et chacun aussi dans nos paroisses, je peux pas dire ça, mais chacun dans nos mondes aussi, parce que je vois la très belle idée qui était Extinction Rebellion au début, à ce qu'il y en a aujourd'hui, il y a un monde, quoi, malheureusement, pour mon plus grand regret. Voilà, donc je m'excuse pour eux et je me mets à ta place et ouais, désolé que tu aies vécu ça dans le mouvement auquel j'appartiens. Je me permets de rebondir, du coup, j'ai pas remis le petit panneau lever la main, mais ouais, merci. Mais c'est important que tu partages le fait que ça te rende triste aussi, parce que j'ai l'impression que les affects sont pas assez exprimés parfois dans la lutte, et que parfois il y a des mouvements qui vont se buter sur certaines idées qui deviennent des axiomes, et où en fait on oublie que parfois rester buté sur cet axiome-là, ça peut rendre triste la personne en face et provoquer des fissures, et du coup des gens qui d'un coup vont être dégoûtés d'un mouvement ne vont plus vouloir agir avec, et les conséquences en fait sont assez dramatiques. Et je pense qu'il faut vraiment s'acharner à construire des ponts. Enfin, à la fin quand même, j'étais vraiment vannée, hein, ils m'ont épuisée, mais ils m'ont dit en fait merci de nous avoir parlé, parce que la plupart du temps les agriculteurs ils se braquent. Et du coup, on ne peut plus discuter. Et j'aurais dit, oui, je comprends pourquoi, les gars. Mais en même temps, oui, effectivement, il faut qu'on accepte tous d'avancer ensemble et de comprendre peut-être les positionnements moraux des uns et des autres, mais aussi accepter que parfois l'axiome moral, il va être différent, qu'il faut regarder aussi pragmatiquement quels sont les moyens d'arriver à nos fins. Là, par exemple, tous les moyens qui m'ont amené, c'était des moyens technoscientifiques basés sur le pétrole, la pétrochimie et des tas de dominations de technosciences qui, moi, me posent vraiment question pour notre habitabilité, encore une fois, du monde à long terme et notre autonomie matérielle et intellectuelle et politique. Voilà, mais ça, c'est important de pouvoir en parler sans se braquer. Et effectivement, remettre de l'affect, ça permet de remettre de l'émotion d'humain dans des débats qui parfois peuvent sinon partir en vrille. Est-ce qu'il y a d'autres questions à... Vas-y, Opaline. Ah non, c'était un pouce en l'air. Mais moi, je suis complètement... j'ai plein d'émotions qui me traversent et j'ai rien à rajouter, en fait. Je suis juste... j'accueille tout ce qui vient et ça me nourrit beaucoup. Voilà. Hugo, on va clôturer dans pas très très longtemps. Je te laisse finir l'animation, Marine. J'étais pas pressé. Hein, si la salle là, vous voulez réagir avant. Je prenais un tour pour être sûr de pouvoir dire un truc avant de m'en aller, mais je peux attendre. Vas-y, Hugo, tu peux t'exprimer et Jean-François, lever la main aussi. Bon, je tente un mot de la fin en espérant que vous ne le recevrez pas de façon moraliste ou paternaliste ou je ne sais pas quoi. Parce que le temps manque pour développer, mais en gros, s'il fallait vraiment résumer, je pense que s'il fallait être optimiste aussi, c'est que je pense qu'on avance vraiment sur la compréhension de notre impuissance, quoi. Et en fait, ça, c'est fondamental. Ça évite les écueils, dans lesquels t'es tombé, Noémie, dans lesquels on est embourbé, où on ne se parle plus politique, on parle identité contre identité, quoi.
tout le temps, quoi. Et d'un côté, tu as je suis bio, tu vois. Cette expression, elle est incroyable, quoi. Tu fais quoi comme métier? Je suis paysan bio. Bon, bah, tu as envie de toucher la personne, voir si elle a une épaule bio, une main bio, voilà. Donc, et du coup, la bio devient incritiquable parce que tu critiques l'ensemble de l'identité de la personne, quoi, dans son entièreté, alors qu'en fait, il va falloir se débarrasser de la bio, hein, si on veut généraliser l'agroécologie. Mais en fait, voilà, il va falloir être capable de se parler comme ça. Et de l'autre côté, dès que tu critiques le modèle industriel, bah, les types, je dis les types parce qu'il y a beaucoup de gars quand même, bah, ils montent des cellules de gendarmerie contre l'agribashing et compagnie, quoi. Donc, ça va mal finir, en fait. Voilà. Et donc, je pense qu'on a avancé. Et donc, si on se dit, par exemple, que la politique des petits pas, en fait, on va arrêter de raconter ça, parce que c'est vraiment une fable, c'est une fable bourgeoise, et donc on va s'en débarrasser. Si on se dit que la démarche écologique dont on a besoin, ce n'est pas juste se concentrer sur les conséquences et documenter les conséquences et empiler la documentation sur les conséquences, mais c'est bien aussi regarder les tenants, les causes, et pas que les conséquences, sinon on ne peut jamais en sortir à des pesticides, jamais. On aura bien prouvé que ça tue l'ensemble de la biodiversité, mais on n'en sortira jamais. Donc, il faut un moment se concentrer sur les causes, parce que c'est cette confusion entre les causes et les conséquences là qui fait que les gens ils s'identifient à ce qui les détruit. Et là, si les paysans historiques s'identifient autant aux pesticides, eh ben, on n'en sortira jamais. Et voilà, et après, bah, on se donne rendez-vous. 25-26 mars, il y a gros événement, hein, au Mégabassine. Ça sera la première fois qu'il y aura une dimension internationale à ces rencontres-là. On vise d'être 3-4 fois plus nombreux que la dernière fois, et nombreuses. Du coup, viendez avec tous vos amis. Et puis, peut-être, ça, c'est, vous ne le savez pas encore, mais il y a quand même deux gros événements qui se préparent cet été, qui sont des cadres pour discuter là, la suite de la discussion, parce que vous voyez qu'il faut qu'on avance ensemble sur ces réflexions-là. Il y a à Bure un rassemblement fin août qui c'est, en gros, ça va être un festival des luttes paysannes et rurales. Je pense que c'est dans votre thème. Donc à Bure, notamment avec les copines des semeuses qui font de la prise de terre sur les terres destinées à Areva, pour l'enfouissement de déchets nucléaires, et donc ça va être un chouette festival. Et puis début août, se prépare, je vous le tease un peu, mais un gros événement sur le Larzac, parce que il y aura à la fois ce qu'on appelle le réseau Terre de lutte, qui essaye de en gros regrouper toutes les luttes locales et de leur donner de la cohérence, qui va faire une espèce d'université d'été là-bas ouverte, un campement. Il y a probablement, c'est en discussion, le premier campement université d'été des soulèvements de la terre, qui du coup serait au même endroit et au même moment. Et puis, on est en 2023, et 2023, c'est les 20 ans de plein de structures qui s'étaient créées suite au Larzac 2003. Il y a le Pôle Impact que j'ai cité, il y a les Amis de la Conf qui ont 20 ans, Terre de Liens, 20 ans. Qui c'est que j'oublie? J'en oublie au moins un ou deux. Les faucheurs, l'association des faucheurs de GM fêtera ses 20 ans sur le Larzac aussi, et donc ça, c'est début août. Voilà, donc quelques rendez-vous, et puis je ne vous cite pas toutes les actions qu'il y aura dans le cadre des soulèvements de la terre sur cette saison, il y en a 5 ou 6, donc il y en a forcément à côté de chez vous, mais je vous ai cité les points de rendez-vous principaux, quoi. Donc à bientôt. Merci Hugo. Jean-François? Ouais, en vraiment très rapide, un mot de la fin, parce qu'on va clôturer nous d'autre côté. Non, je voudrais simplement dire qu'en 20 ans de travail syndical, on ne sait jamais les graines qu'on sème, mais en fait, on les sème. Et il faut, à mon avis, se rappeler d'une chose, c'est qu'on a toujours quasiment la sensation d'être le pot de terre contre le pot de fer. Il faut savoir que sur le très long terme, il y en a un qui disparaît, c'est le pot de fer, parce que c'est lui qui rouille. Et le pot de terre, c'est celui qui reste. Et les archéologues, c'est des pots de terre qu'ils trouvent. Merci. Mais merci à tous. Je ne vois pas d'autres mains levées. Donc, les soulèvements des pots de terre, vous voyez. Je redonne la main
à Opaline et je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir participé à cette table ronde. Ça donne envie de rester encore des heures à discuter, à approfondir ce sujet. Et j'embrasse tous les agros. Bisous. Est-ce que peut-être Noémie et Jean-Luc, juste une phrase qui pour clôturer et ensuite on vous laisse et on vous enverra la facilitation graphique qui a été faite par Julie sur cette intervention et on vous tiendra au courant des retours aussi. Mais juste un petit mot de Noémie et Jean-Luc quand même peut-être. Ouais, bon courage pour votre installation paysanne. Je dis installation au sens très large, pas forcément au sens administratif. Faites attention aux écueils de la DGA, des subventions qui nous attachent parfois à des objectifs de productivité, qui nous laissent exsangues et qui ne nous laissent pas forcément le temps de militer. Parce qu'en fait, militer, là, on va être bien obligé. En fait, l'agro-industrie, j'ai l'impression que plus elle avance... plus se sent menacé parce que son système il n'est pas viable économiquement, au niveau fossile, au niveau pandémie, etc. C'est un peu un carnage. J'ai l'impression que plus ils se sentent menacés, plus ils sont vindicatifs et violents sur les normes. Donc il va y avoir besoin d'agir sur tout ça. Donc courage pour votre installation et vraiment c'est un beau métier. Donc bon choix. Oui, bon, moi j'ai pas tellement prévu de reprendre la parole, mais. La réflexion que je me fais après avoir écouté tout ce qui a été dit, là, c'est qu'il y a plein de choses qui sont en train de bouger, de rebouger. Ça me fait quand même penser un peu à la période des années 70, quoi, que j'ai quand même vécu beaucoup plus jeune. Et je me rends compte qu'il y a aussi que vous êtes en position d'inventer plein de choses, aussi bien au niveau des luttes globales que des expériences. Quoi. Donc, de ce côté-là, ça me rend... Je ne sais pas s'il faut dire plus optimiste ou moins pessimiste, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça me fait bien de vous entendre. Et de continuer à savoir, à suivre ce qui se fait. Ouais. Voilà, donc bon courage aussi. Merci beaucoup à toutes et tous. C'est chouette aussi de voir toutes les générations réunies autour de ce sujet. Et autant d'hommes que de femmes dans cette salle et salle virtuelle. Donc, un grand, grand merci et à bientôt. Merci. À bientôt. Merci beaucoup. Merci. À bientôt, j'espère. Salut, salut. Merci. Et merci encore.